Mesdames, Messieurs, hier jeudi 12 mars 2020, le Gabon a enregistré son premier cas testé positif au coronavirus. Le patient a aussitôt été pris en charge à l'hôpital d'instruction des armées Omar Bongo Ondimba de Libreville. Placé dans un espace dédié et confiné pour prévenir toute contamination, son état de santé s'est depuis amélioré et sa situation est stable. Ce cas est le seul cas testé positif à ce jour au Gabon. Par ailleurs, par mesure de précaution, les équipes compétentes sont à pied d'œuvre pour recenser et identifier l'ensemble des personnes avec lesquelles ce patient zéro a été en contact afin d'effectuer des tests et prendre, le cas échéant, toutes les mesures qui s'imposent sur le plan sanitaire. Mesdames et messieurs, cela fait des semaines que, sous l'autorité du président de la République, chef de l'État, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, nos autorités sanitaires en particulier se préparent à la riposte face à ce virus qui, peu à peu, touche l'ensemble des pays dans le monde. Dès que nécessaire, nous avons pris toutes les mesures pour, d'une part, retarder sa propagation et, d'autre part, prendre en charge les personnes qui doivent l'être. Le gouvernement tient à rappeler que la prise en charge des soins liés au COVID-19 est entièrement gratuite grâce au fonds spécial mis en place lors du dernier conseil présidentiel. Pour prévenir toute épidémie dans notre pays et protéger nos populations, les mesures déjà prises sont renforcées aujourd'hui par les suivantes. La suspension des visas touristiques en provenance des zones les plus infectées, à savoir l'Union européenne, la Chine, la Corée du Sud et les États-Unis. La fermeture des crèches, des établissements scolaires, des universités et des centres de formation professionnelle sur l'ensemble du territoire jusqu'au 30 mars inclus. La fermeture des bars et boîtes de nuit jusqu'à nouvel ordre. L'interdiction de rassemblement de plus de 50 personnes sur tout le territoire national. La suspension des événements sportifs et culturels nationaux. La tenue à huis clos de tous les événements sportifs internationaux. De même, par mesure de prévention et pour augmenter ses capacités d'accueil en confinement, le gouvernement a procédé à la réquisition de l'hôtel Rendama. Le gouvernement recommande par ailleurs aux populations de n'utiliser les transports publics que pour les déplacements indispensables. Chaque jour, la riposte est réévaluée et ces mesures susceptibles d'être renforcées suivant l'évolution de la situation. Mesdames et messieurs, si l'État est prêt, la société doit l'être aussi. En adoptant des règles simples d'hygiène et de distanciation sociale, ce que l'on appelle des mesures barrières, rappelées ci-après, il est possible de freiner la propagation du virus au sein de la population. Il s'agit notamment de se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, se couvrir la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jeter immédiatement le mouchoir et se laver les mains.
Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main et évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. En cas de symptômes de la grippe ou pour tout questionnement autour du coronavirus COVID-19, appelez le numéro gratuit 1410. Il est très important de suivre ces prescriptions. Ces petits efforts peuvent produire de grands effets. C'est une question de civisme, de responsabilité et de solidarité. L'implication de tous sera déterminante pour contenir le virus et surmonter une épidémie de ce type. Chacun a entre ses mains une part de la santé de tous. Protégez-vous et protégez vos proches. Enfin, nous appelons chacun et chacune à rester serein. Dans l'écrasante majorité des cas, le COVID-19 n'est pas mortel et il ne l'a pour l'instant jamais été pour les enfants. Dans l'écrasante majorité des cas, les patients contaminés guérissent. Dans l'écrasante majorité des cas, l'infection est bénigne. En outre, l'expérience des autres pays nous montre qu'avec de la discipline et de la solidarité, l'on finit par en triompher. Régulièrement, les autorités habilitées feront un point sur l'évolution de la situation. Fiez-vous à ces informations et non aux bruits et aux rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux. Je vous remercie. Bienvenue au pays des 88% de forêts. Cette forêt contribue au second poumon vert de la planète et est une richesse économique et écologique pour le Gabon. Avec 20 aires marines protégées et 13 parcs nationaux, 25% du territoire en aires protégées, le Gabon est décidément résolu à gérer durablement ses ressources naturelles. Mais notre biodiversité, nos richesses, notre pays reçoivent de nombreuses pressions contre lesquelles ils doivent lutter au quotidien, telles que le braconnage. Le rôle de nos gardes forestiers, les éco-gardes, est de protéger les ressources naturelles dans les parcs nationaux. Pourquoi protégeons-nous notre faune et notre flore?
Avez-vous remarqué tout ce que nous puisons dans la nature ? L'air que nous respirons nous vient des forêts et des océans. Les médicaments, la nourriture, même nos vêtements nous viennent de la nature. En fait, tout nous vient de la nature et nous dépendons de ce qu'elle peut nous fournir. Mais il n'y a pas que nous qui dépendons de la nature. Chacun a son rôle écologique. L'éléphant se nourrit de fruits dont certaines graines se retrouvent intactes dans ses crottes. En se déplaçant, il sème ainsi des graines sur son chemin. Il défriche les forêts des bois tendres qui sont plus faciles à manger et casser, augmentant les ressources pour les bois durs qui grandissent plus lentement et stockent plus de carbone. Il joue un rôle dans la lutte contre les changements climatiques. Les requins, quant à eux, sont des top prédateurs. Ils gardent sous contrôle les autres espèces. Aussi, quand ils viennent à disparaître, par effet de château de cartes, l'équilibre est rompu. Le pangolin, lui, consomme les insectes qui se nourrissent d'arbres. S'il arrête de consommer ces insectes, ils se nourriront de plus d'arbres. Le pangolin contribue aussi au maintien des forêts. Les êtres vivants dépendent les uns des autres. Si une espèce vient à disparaître, plusieurs autres espèces seront fragilisées. L'Agence nationale des parcs nationaux protège tous les êtres vivants dans ces parcs, car il est important pour nous de maintenir toute forme de vie sur Terre. C'est le best des best, l'ami. Tu as bon télécom, réseau number one. Dieu. C'est pas la blague, ouais, d'ami. Dieu. C'est nous. Gabon Télécom, le réseau du haut débit. Tu es le best des best, l'ami. Tu as bon télécom, réseau number one. Dieu. C'est pas la blague, ouais, d'ami. Dieu, c'est nous. Gabon Télécom, le réseau du haut débit.
Nous sommes le samedi 14 mars 2020. Bienvenue à tous. Voici les titres de votre journal. Au Gabon, nous parlerons de la pandémie du Covid-19 avec de nouvelles mesures qui ont été prises par le gouvernement gabonais afin d'éviter la propagation du virus. Et aux États-Unis, toujours en rapport avec le Covid-19, le président américain Donald Trump a déclaré l'état d'urgence dans tout le pays. Tout de suite, le développement. Ouvrons ce journal avec le Gabon où le ministre des Transports, Léon Armel Bonda-Balondi, a tenu une réunion d'urgence avec les agents du secteur aérien, ferroviaire et routier dans le but de renforcer le dispositif de lutte contre le Covid-19. Le compte rendu est de Sabrina Kundipenda et Léus Midungu. Trouver des voies et moyens pouvant permettre de mieux protéger les populations contre le Covid-19 déjà présent sur le territoire gabonais, tel était l'enjeu de cette rencontre au ministère des Transports. Réduire les vols en provenance des pays à haut risque, c'est la vision actuelle du gouvernement gabonais, une vision à laquelle entendent adhérer les différentes compagnies aériennes pour le bien de tous. Nous recevons des passagers venant de tout le monde entier. Donc, même si nous fermons ou bien nous réduisons nos fréquences au niveau de Libreville, si l'État, le gouvernement décide d'imposer cette mesure, des passagers pourraient contourner, on va s'y plier. Du côté des transports ferroviaires, tout est mis en place pour stopper la propagation du virus. Donc, du côté de la CETRAC, nous avions commencé par la distribution des flyers qui reprenaient un peu tous les messages qui avaient déjà été véhiculés par l'État, par le gouvernement. Et aujourd'hui, monsieur le ministre a fait une annonce sur des mesures qui vont être prises et donc la CETRAC attend ces mesures-là pour l'application. Donc ça va aller dans le sens du contrôle, comme ce qui se fait dans les aéroports. Le secteur maritime est lui aussi engagé dans cette lutte. Au niveau du port, tous les navires qui arrivent, les équipages sont thermoflashés. Donc effectivement, il y a des prises de température et actuellement, aucun membre de l'équipage n'a le droit de descendre sur le territoire gabonais. Donc tout le monde reste confiné dans le navire. Ça nous permet de faire un certain nombre d'opérations, la manutention par exemple, sans qu'effectivement nous ayons des relations directes, des contacts direct avec les équipages de navires. Les représentants du secteur aérien, ceux du domaine maritime, ferroviaire et routier, sont davantage appelés à faire preuve de vigilance en veillant au strict respect des différentes mesures mises en place par les autorités gabonaises en vue d'assurer la sécurité du plus grand nombre. Parlons toujours du Covid-19 au Gabon avec le gouvernement gabonais qui est à pied d'œuvre pour la riposte contre le coronavirus. L'exécutif a pris plusieurs mesures pour éviter la propagation du virus, notamment la fermeture des établissements scolaires, tant au primaire qu'au supérieur. Je vous propose d'écouter un extrait de sa déclaration. Pour prévenir toute épidémie dans notre pays et protéger nos populations, les mesures déjà prises sont renforcées aujourd'hui par les suivantes. La suspension des visas touristiques en provenance des zones les plus infectées, à savoir l'Union européenne, la Chine, la Corée du Sud et les États-Unis. La fermeture des crèches, des établissements scolaires, des universités et des centres de formation professionnelle sur l'ensemble du territoire jusqu'au 30 mars inclus. La fermeture des bars et boîtes de nuit jusqu'à nouvel ordre. L'interdiction de rassemblement de plus de 50 personnes sur tout le territoire national. La suspension des événements sportifs et culturels nationaux, la tenue à huis clos de tous les événements sportifs internationaux. De même, par mesure de prévention et pour augmenter ses capacités d'accueil en confinement, le gouvernement a procédé à la réquisition de l'hôtel Rendama. Le gouvernement recommande par ailleurs aux populations de n'utiliser les transports publics que pour les déplacements indispensables. Sabrina Kundipenda.
Là, nous emmène en Italie où le pays a reçu la visite d'une équipe médicale chinoise dans le but de renforcer la lutte contre l'épidémie du Covid-19, laquelle a déjà fait plusieurs morts. Il s'agit de la troisième équipe médicale que le pays de Xi Jinping a dépêchée à l'étranger pour aider à combattre ce mal. C'est un groupe constitué de 9 experts, notamment des spécialistes en soins intensifs, en maladies respiratoires et en contrôle des pathologies infectieuses venues de Shanghai, située dans l'est de la Chine. Plus d'une trentaine de tonnes de fournitures médicales ont été offertes par le gouvernement chinois, y compris du matériel de soins intensifs, des équipements de protection, des médicaments antiviraux et du plasma. De toute évidence, notre principal problème à l'heure actuelle est lié aux équipements de protection individuelle. Les fournitures médicales transportées par des avions comprennent de nombreux masques. C'est vraiment important pour nous. Comme le nombre de cas infectés continue d'augmenter en Italie, les équipements de communication de haute technologie offerts par la Chine peuvent également jouer un rôle important dans la réponse. Selon le vice-président de la Croix-Rouge chinoise, l'organisation travaillerait avec l'Italie pour partager l'expérience acquise dans la lutte contre le Covid-19. Nous avons traduit nos plans de prévention et de traitement dans plusieurs langues. Nous espérons qu'ils pourront être utiles à l'Italie. La Chine lutte contre l'épidémie depuis plus d'un mois et nos efforts ont porté leurs fruits. L'épidémie est un défi commun à tous les pays. Nous avons l'assurance d'être capables de surmonter les difficultés grâce à la coopération internationale et de remporter la victoire dans la guerre qui menace les vies humaines. Gagner le combat qui menace les vies humaines. Selon un dernier bilan établi par la protection civile italienne, plus de 15 000 cas de Covid-19 ont déjà été enregistrés dans le pays. Donald Trump, le président américain, a déclaré ce vendredi l'état d'urgence pour renforcer la lutte contre le Covid-19 qui a contaminé plus de 2000 personnes et fait 47 morts aux États-Unis. Rodovone. Le Stafford Act, une loi de 1988 qui permet à l'Agence américaine de gestion des situations d'urgence d'aider les États et les collectivités locales en cas de catastrophe, a été activé par Donald Trump. Cette agence disposait à la fin février de plus de 42 milliards de dollars de fonds fédéraux. Mais Trump a évoqué des fonds pouvant aller jusqu'à 50 milliards de dollars. Mercredi, des élus démocrates du Congrès avaient demandé d'activer ce dispositif pour financer à hauteur de 75% des tests de dépistage, des équipements médicaux, des structures de soins provisoires à charge pour les États de payer les 25% restants. Si Donald Trump avait déjà invoqué cette loi pour faire face à des catastrophes naturelles, notamment pour venir en aide à la Californie ravagée par des incendies ou après des inondations dans le Midwest, elle n'a pourtant servi qu'à une reprise pour lutter contre une épidémie. En 2000, Bill Clinton s'en était servi pour faire face à l'explosion de cas de contamination au virus du Nil occidental dans le New Jersey et à New York. Les fonds fédéraux avaient financé des mesures d'éradication des moustiques. Donald Trump a également eu recours à une autre loi votée en 1976, le National Emergencies Act. Celle-ci autorise le président des États-Unis à invoquer les pouvoirs extraordinaires prévus dans d'autres textes à condition de préciser lesquels. Par simple décret, la Maison-Blanche peut ainsi mobiliser la garde nationale ou réquisitionner des biens. Cette loi avait servi après les attentats du 11 septembre 2001 afin de renforcer les pouvoirs de l'armée. Invoquant une urgence migratoire, Donald Trump l'avait activée en février 2019 pour contourner le refus du Congrès de financer un mur à la frontière avec le Mexique. Cette fois, il s'en sert pour étendre les pouvoirs du ministère de la Santé afin qu'il assouplisse le cadre réglementaire pour donner le maximum de flexibilité aux hôpitaux sur le nombre de lits ou encore la durée des séjours et améliorer, bien sûr, la couverture des malades. S'adapter va devenir le maître mot de notre vie quotidienne désormais. Il n'y a plus de doute, pour tous les sceptiques, autant pour moi, le coronavirus est désormais partout dans les quatre coins du globe avec des proportions inquiétantes. Sabrina Massima nous fait le point. Depuis quelques jours, l'inquiétude a grandi dans le monde entier ces derniers jours. Dans chaque endroit, des mesures d'hygiène sont imposées et vous êtes flashés. En Italie, toute la ville est confinée et les positifs ne cessent d'évoluer. En France, l'adresse d'Emmanuel Macron ce jeudi 12 février a définitivement marqué un tournant. La bise ou pas la bise? Jusqu'au week-end dernier, la question ne se posait pas vraiment. Consigne ou pas consigne? On s'embrassait. Mais la situation a changé. Désormais, les bises sont proscrites par les autorités sanitaires. Est-ce la peur d'une évolution dans plus de 125 pays? Le décompte macabre, jour après jour, des contaminations et des décès. L'annonce d'une pandémie par l'OMS, ce n'est plus à prendre à la légère.
l'heure et à l'autodiscipline. Le coronavirus a imposé sa loi. La peur s'est installée. Une peur qui se veut raisonnable, responsable, maîtrisée, mais qui incite à s'informer sur le mal, son origine, les traitements, les statistiques, qui conduit à multiplier les précautions et avertissements. Une peur qui pousse surtout à s'enquérir de la situation dans son pays et discipliner ses amis et ses proches. L'épidémie de coronavirus à laquelle une bonne partie des pays du monde font face est plus grave que prévu. Le coronavirus ne joue pas dans la même cour que la grippe. L'apparition des cas graves chez des personnes jeunes de 30 à 40 ans et en bonne santé n'est plus rare. Plus de discours, il est temps de prendre à bras le corps cette maladie qui prend des proportions inquiétantes, même en Afrique. Sa propagation rapide risque d'entraîner un accroissement du nombre de personnes contaminées. Restons avec Sabrina Massima qui nous parle de l'avenir de la planète qui est le plus grand défi que doit relever l'humanité. Les gouvernements doivent agir fermement et immédiatement. Il est temps d'être sérieux car l'horloge tourne et il faut agir maintenant. Il n'est pas trop tard pour éviter le pire. Incendie dévastateur, record de température, tempête ou fonte de glace. Jour après jour, les bouleversements liés à la crise climatique affecte la Terre et ses habitants, faisant la une de l'actualité. Malgré les cris d'alarme des scientifiques, la jeunesse mondiale est aujourd'hui aux avant-postes de la prise de conscience planétaire face à l'urgence climatique et à la pollution qui menace l'humanité et la biodiversité. Au Groenland, en Antarctique, en Alaska, dans les forêts d'Amazonie ou d'Afrique équatoriale, au cœur des incendies en Californie ou en Australie, sur la piste des déchets en Asie, les changements climatiques sont la grande crise de notre époque et ils se produisent à un rythme encore plus effréné que ce que nous craignions. Mais nous sommes loin d'être impuissants face à cette menace mondiale. Comme l'a souligné en septembre 2019 le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, l'urgence climatique est une course que nous sommes en train de perdre. Mais c'est une course que l'on peut encore gagner. Aucun endroit sur Terre n'est à l'abri des conséquences dévastatrices des changements climatiques. La hausse des températures est directement à l'origine de la dégradation de l'environnement, des catastrophes naturelles, des conditions météorologiques extrêmes, de l'insécurité alimentaire, hydrique, des perturbations économiques, des conflits et du terrorisme. Le niveau des mers monte, l'Arctique fond, les récifs coralliens se meurent. Le coût infini des changements climatiques augmente de manière irréversible. Le temps est venu de mener tous ensemble une action audacieuse. C'est ici que l'on s'arrête pour ce journal. Voici le rappel des titres. Au Gabon, nous avons parlé de la pandémie du Covid-19 avec de nouvelles mesures qui ont été prises par le gouvernement gabonais afin d'éviter la propagation du virus. Et aux États-Unis, toujours en rapport avec le Covid-19, le président américain Donald Trump a déclaré l'état d'urgence dans tout le pays. Restez connectés au fil d'actualité de Gabon 24 via YouTube, Facebook et Twitter. Bientôt, un nouveau journal.
Mesdames, Messieurs, hier jeudi 12 mars 2020, le Gabon a enregistré son premier cas testé positif au coronavirus. Le patient a aussitôt été pris en charge à l'hôpital d'instruction des armées Omar Bongo Ondimba de Libreville. Placé dans un espace dédié et confiné pour prévenir toute contamination, son état de santé s'est depuis amélioré et sa situation est stable. Ce cas est le seul cas testé positif à ce jour au Gabon. Par ailleurs, par mesure de précaution, les équipes compétentes sont à pied d'œuvre pour recenser et identifier l'ensemble des personnes avec lesquelles ce patient zéro a été en contact afin d'effectuer des tests et prendre, le cas échéant, toutes les mesures qui s'imposent sur le plan sanitaire. Mesdames et messieurs, cela fait des semaines que, sous l'autorité du président de la République, chef de l'État, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, nos autorités sanitaires en particulier se préparent à la riposte face à ce virus qui, peu à peu, touche l'ensemble des pays dans le monde. Dès que nécessaire, nous avons pris toutes les mesures pour, d'une part, retarder sa propagation et, d'autre part, prendre en charge les personnes qui doivent l'être. Le gouvernement tient à rappeler que la prise en charge des soins liés au COVID-19 est entièrement gratuite grâce au fonds spécial mis en place lors du dernier Conseil présidentiel. Pour prévenir toute épidémie dans notre pays et protéger nos populations, les mesures déjà prises sont renforcées aujourd'hui par les suivantes. La suspension des visas touristiques en provenance des zones les plus infectées, à savoir l'Union européenne, la Chine, la Corée du Sud et les États-Unis. La fermeture des crèches, des établissements scolaires, des universités et des centres de formation professionnelle sur l'ensemble du territoire jusqu'au 30 mars inclus, la fermeture des bars et boîtes de nuit jusqu'à nouvel ordre, l'interdiction de rassemblement de plus de 50 personnes sur tout le territoire national, la suspension des événements sportifs et culturels nationaux, la tenue à huis clos de tous les événements sportifs internationaux. De même, par mesure de prévention et pour augmenter ses capacités d'accueil en confinement, le gouvernement a procédé à la réquisition de l'hôtel Rendama. Le gouvernement recommande par ailleurs aux populations de n'utiliser les transports publics que pour les déplacements indispensables. Chaque jour, la riposte est réévaluée et ces mesures susceptibles d'être renforcées suivant l'évolution de la situation. Mesdames et messieurs, si l'État est prêt, la société doit l'être aussi. En adoptant des règles simples d'hygiène et de distanciation sociale, ce que l'on appelle des mesures barrières, rappelées ci-après, il est possible de freiner la propagation du virus au sein de la population. Il s'agit notamment de se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, se couvrir la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir,
jeter immédiatement le mouchoir et se laver les mains. Éviter tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades. Nettoyer les objets et les surfaces souillées. En cas de symptômes de la grippe ou pour tout questionnement autour du coronavirus COVID-19, appelez le numéro gratuit 1410. Il est très important de suivre ces prescriptions. Ces petits efforts peuvent produire de grands effets. C'est une question de civisme, de responsabilité et de solidarité. L'implication de tous sera déterminante pour contenir le virus et surmonter une épidémie de ce type. Chacun a entre ses mains une part de la santé de tous. Protégez-vous et protégez vos proches. Enfin, nous appelons chacun et chacune à rester serein. Dans l'écrasante majorité des cas, le COVID-19 n'est pas mortel et il ne l'a pour l'instant jamais été pour les enfants. Dans l'écrasante majorité des cas, les patients contaminés guérissent. Dans l'écrasante majorité des cas, l'infection est bénigne. En outre, l'expérience des autres pays nous montre qu'avec de la discipline et de la solidarité, l'on finit par en triompher. Régulièrement, les autorités habilitées feront un point sur l'évolution de la situation. Fiez-vous à ces informations et non aux bruits et aux rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux. Je vous remercie. Join us from Monday to Join us from Monday to Friday on the G24 News. Your news edition in English. We will take you on an exclusive journey. Right here on Gabon 24.
morning. My name is Christiane Wora. I'm an English teacher in Institute Superior of Technology for about 15 years now. Also, chief of the Department of Entrepreneurship for about 80 years. As an English teacher, I'm a teacher for the first level to the third level here for the communicative students in marketing communication, in computer science, and in management also. So I belong to the generation for equality. Let's stand up for women rights. Concerning the Woman Day, Happy Woman Day for all the women all over the world. Thank you to all of you. Thanks. Tu as bon télécom, c'est nous. Gabon Télécom, le réseau du haut débit. Tu es le best des best, l'ami. Tu as bon télécom, résonant, V01, Dieu. C'est pas la blague, Wendami, Dieu, c'est nous. Gabon Télécom, le réseau du haut débit. De vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'invité du jour. Je reçois pour vous Monsieur Angie Bling qui est à mes côtés. Bienvenue sur notre plateau. Merci, merci, c'est moi qui vous remercie. Je suis très content d'être là. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de vous avoir à nos côtés. Alors, Angie Bling démarre la musique dans un duo. Tris, la collaboration s'établit quand? Tris et Angie Bling, déjà, ils étaient ensemble dans le même label.
Voilà, la collaboration s'établit normalement en 2011, mais c'est en 2012 que le morceau propre et dosé a vu le jour. Très bien. Vous abordez des thématiques du quotidien des Gabonais. Pas seulement des Gabonais, de l'Afrique. De l'Afrique. Oui. Par exemple, avec vos titres « Donne seulement »,« Je veux seulement le téléphone », et là, vous mettez en lumière des comportements de la jeunesse africaine. Oui. Voilà. Vous aviez un message à faire passer derrière ces titres ? Oui, j'ai envie de montrer, c'est-à-dire exposer ce qui se dit, ce qui se fait derrière, mais j'essaie de mettre un peu de l'humour pour ne pas trop heurter les gens. Parce qu'il y a plusieurs façons de véhiculer des messages. Tu peux crier, tu peux gronder, comme tu peux parler tranquillement, donnant du sourire à la personne, mais il comprendra que ce qu'il fait n'est pas bien ou bien le comportement n'est pas le meilleur. Quel est le message justement derrière ces titres ? Par exemple, donne seulement. Donne seulement. En fait, j'essaie juste de dire aux... Vous dénoncez quelque chose ? Oui, j'essaie juste de dire à certaines filles que tous les hommes ne sont pas pacifiques. Si tu ne veux pas ou tu n'attends rien de quelqu'un, essaie de faire en sorte que tu ne demandes rien, voilà, n'impose rien, parce qu'il y a des filles qui aiment bien ça, c'est-à-dire elle sait depuis le départ qu'elle n'attend rien de lui, elle ne veut rien du tout. Au lieu de continuer à faire espérer, voilà, elle passe son temps. Vous essayez de sensibiliser aussi derrière ? Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, c'est un message, mais comme j'ai dit, j'essaie de mettre un peu d'humour pour... aiguiller les gens, donner du sourire, mais les gens comprennent que j'essaie de dire aux femmes que quand c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Ça ne sert à rien de... c'est un titre qui a très bien marché, oui. Vous avez eu un prix ? Un prix, oui, Révélation Afrique Centrale, Canal d'Or au Cameroun, ça fait plaisir, ça rappelle des bons moments. Vous vous y attendiez lorsque vous l'avez lancé ? Non, j'avais peur, moi j'y croyais même pas. Vous avez peur de quoi ? De la concurrence ? Non, pas forcément de la concurrence. Je ne suis pas du genre à regarder les gens qui sont autour de moi quand je suis en compétition, mais je crains. Parce que quand tu es trop sûr de toi, ce n'est pas bon. C'est ça. Donc quand tu vas en guerre, il faut toujours avoir un peu de stress. Ça te booste pour rester concentré, en fait. Tout à fait. Vous avez un titre intitulé « Tototo ». Qu'est-ce que cela signifie ? « Tototo », c'est le prénom d'un petit frère. C'est le petit frère d'un pote. C'est comme ça qu'on l'appelle à la maison. Et moi, à chaque fois que j'allais chez lui voir le pote, je l'embêtais toujours « Tototo ». Et comme je voulais créer une histoire en rapport avec la vente d'un produit qu'on appelle M7, donc j'ai essayé... C'est ça l'histoire de ce oui, titre ? Oui, parce que quand vous écoutez la chanson, vous comprenez que c'est un petit qui sait très bien danser l'ancham, mais qui veut le t-shirt de la marque M7. Et ce petit s'appelle « Tototo ». D'accord. Engine Bling, c'est plusieurs collaborations avec des artistes locaux, comme ceux de la sous-région. Alors, est-ce qu'on peut dire que ces collaborations vous ont forgé aujourd'hui ? Oui, forcément. Quand tu travailles avec des gens, c'est de l'expérience. Déjà, ça t'apprend. Quand c'est des pays différents, j'ai travaillé avec Serge Beno, j'ai travaillé avec Aki, j'ai travaillé avec Hiro sur un morceau. C'est des pays différents, c'est des mentalités différentes, c'est un partage. Elles vous ont bonifié ? Bien sûr, bien sûr. Ça apporte un plus. Ils sont un peu vos mentors dans la musique. Donc oui, j'admire beaucoup ce qu'ils font. J'ai beaucoup de respect pour ce qu'ils font et ça fait toujours plaisir. Vraiment plaisir. Engine Bling quitte Africa Dream pour se lancer en solo. Un départ suivi d'un spectacle à l'Institut français. Est-ce qu'à ce moment-là, vous vous sentiez assez armé pour vous lancer en solo ? Bon, pour moi, on n'est jamais prêt. Même celui qui te dit « c'est bon, je suis prêt », il a un tout petit peu de doute toujours. Mais... Et vous sentiez que c'était le moment ? Oui. Il fallait que je change, il fallait que j'essaie des trucs. Et puis, je suis toujours là à me dire, si je n'ose pas, personne ne va le faire pour moi. Donc, jusque-là, je fais ce que je veux, ce que je sens, comment je sens. Et puis, ce qui arrive, on assume. Vous aviez besoin de vous exprimer autrement que dans un groupe, le faire en solo ? Pas forcément. C'est-à-dire, quand tu es en production, tu ne fais pas forcément ce que tu veux. Tu peux avoir des bonnes idées,
comme tu peux avoir des mauvaises, mais parfois tu ne sauras jamais parce que ce n'est pas toi qui as la dernière décision. Et en tant que tu es aujourd'hui autonome, producteur, voilà, c'est vrai qu'il y a des défauts, il y a des contraintes, mais au moins tu es capable de sortir ce que tu as vraiment envie de faire. C'est ça le petit plus quand tu es en autoproduction. L'un de vos titres, mm-hmm. Maya, mm-hmm. parle d'une histoire assez particulière. Oui. Qui est Maya ? Maya, c'est pas quelqu'un que je connais personnellement, c'est un prénom, c'est comme ça. Moi, quand je compose une musique, j'ai d'abord l'air et j'essaie d'adapter par rapport à l'air. Je mets en français. Voilà, nous, on appelle ça dans le jargon musical yaourt. Voilà, Maya, c'est pas un prénom particulier. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Maya, est-ce que vous pouvez juste nous faire un brief de... En fait, Maya, c'est... j'essaie d'expliquer à ma petite amie que je l'aime tellement que souvent, je fais des gros sacrifices pour elle. Mais ces sacrifices-là ne sont pas forcément des choses qu'elle peut aimer. Parce que la robe qu'elle voulait, que je lui ai offerte, j'ai dragué la vendeuse pour pouvoir payer ça à un bas prix, pour aller lui remettre. L'argent qu'elle m'a demandé pour faire les cheveux, j'étais obligé d'aller escroquer une fille qui m'aime, qui a besoin de mon attention. Donc c'est un homme qui se sacrifie pour... Voilà, voilà. Mais quand tu dis ça à ta petite amie, elle n'a pas forcément le sourire, en fait. Donc là encore, vous mettez en musique la réalité de... Oui, parce que c'est des histoires vraies. C'est des histoires vraies. C'est du vécu ? Un peu. À 30%. À 30%? Oui, à 30%. C'est quand même énorme, hein, 30%. Non, donc, sur 100% quand même. Donc Maya, c'est une histoire, c'est du vécu? Pas forcément. C'est que j'ai dit, à 30%, nous tous, on a déjà fait ça, même les filles. Ah ouais, même les femmes, souvent, elle peut avoir 5-10 000, elle dépend de son homme, mais c'est pas forcément le travail qui lui a donné les 5 000. Ça peut être un dragueur qui a envoyé l'air telle monnaie, et puis voilà. Voilà, c'est ce que j'essaie de dire, en fait. Donc on a tous été des Mayas un jour. Oui, on faut. On faut. Alors, le rap en 2000 avec des groupes tels mm-hmm. que Sia Posse X, uh-huh. Mauvaise Haleine, oui. Aïeul et bien d'autres. Oui, des grands frères. C'est ça. C'était des textes très engagés. Oui. Aujourd'hui, on a plus de textes qui sont dansants, mm-hmm. parfois sans fond. On est vraiment focalisé sur... sur la danse, quelle est votre lecture ? Ben déjà, il faut admettre que la musique a changé, la musique évolue, les rythmes évoluent. Et toutes les personnes qui ont du mal à s'adapter, pour moi, je dis bien pour moi, ce sont les personnes qui n'ont pas accepté ça. Un artiste, tu dois évoluer avec le temps, parce que les époques, ça passe. Les artistes qui sont restés constants, ce sont les artistes qui ont su s'adapter, qui ont su embrasser les nouvelles cultures, les nouveaux rythmes, les nouvelles tendances. Et moi, j'essaie juste de suivre ça, en fait. Parce que je me dis, si j'ai commencé à vouloir rapper en 2004-2005, je me suis fait connaître en 2011. Vous voyez qu'il y a eu des années. Si maintenant je rappe toujours comme en 2004, ça va pas le faire. Aujourd'hui, comment est-ce que vous définiriez votre musique ? Je suis juste un artiste. Artiste, musicien, auteur, compositeur. Ça veut qui dire s'adapte à l'actualité, aux tendances ? Je suis passé de rappeur tout court à artiste avec grand A. Voilà. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux me retrouver en mettant mon côté urbain sur du zouk, sur de l'afro, sur de la pop, sur du rap, sur de la trap, sur du R&B. C'est comme ça arrive, j'assume. Voilà, je pense que c'est ce qui fait la particularité. C'est ce qui fait que vous avez justement ces différentes collaborations avec Hiro, c'est un autre genre musical, Serge Bienno également. Effectivement, c'est ça justement. Moi, je me dis, un artiste, il doit pas... C'est de l'art. L'art, c'est pas l'école. C'est-à-dire, à l'école, on sait que 2 plus 2 est égal à 4. Tu vas jamais changer ça. En tant l'art, tu viens, tu jettes comme ton cerveau te demande de jeter et ça plaît aux gens. Alors, on parle de votre musique. Je vais mm-hmm. vous inviter à regarder un extrait de... C'est où ? C'est où ? Eat money, mine, dami, je. C'est pas la blague, je veux un mari, je. Où est ça bas, je. Dami, je. Eat money, mine, ouais, dami, je. C'est pas la blague, je veux un mari, je. Le chant, je. Ça fait plus de 6 ans, elle est à Goa. Hey. Tous les jours, c'est bébé, tu es ma vie, oh. Ah. Hey. Ça fait plus de 6 ans, elle est à Goa. Alors, est-ce qu'on pourra voir
petit a cappella. De Séoul. De Séoul. Vous avez aimé la chanson? Oui. Ça fait plus de 6 ans, elle est en Goa. Tous les jours, c'est bébé, tu es ma vie. Oh, ah. La voix que tu vois, mais c'est où? C'est où? La preuve que tu l'aimais, c'est où? Oh, ah, c'est où? Alors, quelle est l'histoire? Comment est née C'est où? C'est où? Bon, en fait, j'avais des messages à chaque fois où les filles me disaient pourquoi tu aimes toujours nous taquiner, nous indexer? C'est comme si, en fait, les hommes, eux, ils sont toujours là, c'est des gens, c'est des anges, pardon. En temps, eux aussi font des gaffes. Pourquoi tu ne trouves pas un sujet aussi où tu t'adresses aux hommes? Et quand j'étais en studio, j'ai dit, OK, je vais un peu essayer. Parce que c'est vrai que donne seulement, je m'adresse aux femmes. Téléphone, je m'adresse aux femmes. Et moi aussi, souvent, dans mes textes, j'aime bien taquiner un peu les femmes. Et j'ai dit, bon, OK, au lieu de pointer du doigt, je vais un peu leur donner de la couronne. Une couronne et puis indexer cette fois-ci les hommes. Vous avez justement quelques jeunes femmes dans votre entourage qui vivent cette histoire? Bon, personnellement non, pas dans mon entourage, mais je sais qu'il y a des femmes qui vivent ça. Parce qu'une fois, je me rappelle, j'étais à la station, je prenais le carburant et quand j'ai baissé la vitre, il y a une femme qui m'a dit « Ah, mon fils, on dirait que tu as écrit cette chanson pour moi. Tous les jours, je parle à ton père. » Mais bon, je suis fatigué. Tu mets le carburant de combien? Et elle m'a ajouté le carburant. Oh. Bon, ben donc c'est un titre qui vous a quand même. Oui, oui, ça veut dire que ça a touché les gens parce que aujourd'hui, les gens, quand ils écoutent C'est où, beaucoup de femmes se retrouvent parce que c'est des faits réels, c'est des histoires réelles, c'est des histoires qu'on retrouve dans beaucoup de foyers. Alors, vous êtes finaliste du prix RFI Découverte, avec le titre Shine. Shine, oui. Mais enfin, la promo se fait avec le morceau C'est où. Oui, il faut dire qu'en fait, on a postulé avec le EP, donc le maxi single, et c'est eux, RFI, qui ont choisi le titre Shine. Mais nous, on a clippé C'est où parce qu'on était déjà dans nos stratégies. Alors, comment faire pour voter Pour voter Angie Bling, c'est très simple. Vous allez sur la page Facebook Angie Bling, vous cliquez sur le lien Prix Découverte, ça s'affiche en bleu. En cliquant sur le lien, vous allez automatiquement vous trouver dans le site. Voilà, et vous allez voir les photos des 10 finalistes. Vous cliquez sur ma photo, je choisis. Ça va vous demander automatiquement votre nom, votre prénom. Vous allez voir en bas, ce sera écrit courriel. Courriel, c'est la boîte mail. Et donc, dès que vous avez rempli votre nom, votre prénom, la boîte mail, vous cochez la case pour dire que vous n'êtes pas un robot et vous appuyez « Je vote ». Automatiquement, vous aurez un message de confirmation. Très bien. Donc, nous vous invitons à voter pour MGB. À voter massivement. On a une dernière question. Entrons dans votre jardin secret. OK. Angie Bling, vous quittez momentanément les bancs pour vous consacrer à la musique. C'est un choix qui s'est imposé à vous? Bon, je vais dire oui, comme je peux dire non aussi. Il faut dire que j'étais arrivé à un niveau de ma vie où c'était la musique qui payait mes études. Et je me suis dit, bon, si la musique paye mes études, pourquoi ne pas me concentrer? Parce que je sais que la musique, c'est comme les femmes. Elles sont très jalouses. Quand tu lui donnes pas assez de temps, elles te donnent pas assez de succès. C'est ça. Voilà. Alors vous avez eu mal à partir avec votre père, justement à cause de ce choix. Oui. Est-ce que votre mère vous a soutenu? Qu'en est-il aujourd'hui? Bah, aujourd'hui, mon père, quand il a besoin du carburant, il m'appelle. Bon, on va dire pas seulement, il est aussi fier de la réussite Bien sûr. Bon, après, moi, je m'imaginais même pas un jour chanter et puis bouger la tête. Jamais. Vous êtes fier d'en être arrivé là? Oui, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Ça veut dire qu'il a fini par comprendre que c'est ce que j'aimais. Et vous avez eu raison de suivre votre rêve? Oui. C'est vrai que c'est risqué parce qu'on n'a aucune garantie que ça peut aller. Mais il faut toujours suivre son cœur, c'est très important. Vaut mieux être heureux et ne pas plaire à tout le monde plutôt que d'être malheureux et chercher à plaire à tout le monde. C'est mon avis. Mais c'est joliment dit. Voilà. Angie Bling, ça a été un réel plaisir de vous recevoir sur le plateau de l'invité du jour. Merci. Nous vous invitons tous à voter pour Angie Bling. Le choc. Le choc, voilà. Beaucoup de succès avec ce dernier titre. Thank you so much. You're welcome.
Merci à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis sur Gabon 24. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et en direct sur YouTube. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite avec un nouvel invité. Bonne suite de programme sur Gabon 24. Mesdames, Messieurs, hier jeudi 12 mars 2020, le Gabon a enregistré son premier cas testé positif au coronavirus. Le patient a aussitôt été pris en charge à l'hôpital d'instruction des armées Omar Bongo Ondimba de Libreville. Placé dans un espace dédié et confiné, pour prévenir toute contamination, son état de santé s'est depuis amélioré et sa situation est stable. Ce cas est le seul cas testé positif à ce jour au Gabon. Par ailleurs, par mesure de précaution, les équipes compétentes sont à pied d'œuvre pour recenser et identifier l'ensemble des personnes avec lesquelles ce patient zéro a été en contact afin d'effectuer des tests et prendre, le cas échéant, toutes les mesures qui s'imposent sur le plan sanitaire. Mesdames et messieurs, cela fait des semaines que, sous l'autorité du président de la République, chef de l'État, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, nos autorités sanitaires en particulier se préparent à la riposte face à ce virus qui peu à peu touche l'ensemble des pays dans le monde. Dès que nécessaire, nous avons pris toutes les mesures pour, d'une part, retarder sa propagation et, d'autre part, prendre en charge les personnes qui doivent l'être. Le gouvernement tient à rappeler que la prise en charge des soins liés au COVID-19 est entièrement gratuite grâce au fonds spécial mis en place lors du dernier conseil présidentiel. Pour prévenir toute épidémie dans notre pays et protéger nos populations, les mesures déjà prises sont renforcées aujourd'hui par les suivantes. La suspension des visas touristiques en provenance des zones les plus infectées, à savoir l'Union européenne, la Chine, la Corée du Sud et les États-Unis. La fermeture des crèches, des établissements scolaires, des universités et des centres de formation professionnelle sur l'ensemble du territoire jusqu'au 30 mars inclus, la fermeture des bars et boîtes de nuit jusqu'à nouvel ordre, l'interdiction de rassemblement de plus de 50 personnes sur tout le territoire national,
la suspension des événements sportifs et culturels nationaux, la tenue à huis clos de tous les événements sportifs internationaux. De même, par mesure de prévention et pour augmenter ses capacités d'accueil en confinement, le gouvernement a procédé à la réquisition de l'hôtel Rendama. Le gouvernement recommande par ailleurs aux populations de n'utiliser les transports publics que pour les déplacements indispensables. Chaque jour, la riposte est réévaluée et ces mesures susceptibles d'être renforcées suivant l'évolution de la situation. Mesdames et messieurs, si l'État est prêt, la société doit l'être aussi. En adoptant des règles simples d'hygiène et de distanciation sociale, ce que l'on appelle des mesures barrières, rappelées ci-après, il est possible de freiner la propagation du virus au sein de la population. Il s'agit notamment de se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, se couvrir la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jeter immédiatement le mouchoir et se laver les mains. Éviter tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades. Nettoyer les objets et les surfaces souillées. En cas de symptômes de la grippe ou pour tout questionnement autour du coronavirus COVID-19, appelez le numéro gratuit 1410. Il est très important de suivre ces prescriptions. Ces petits efforts peuvent produire de grands effets. C'est une question de civisme, de responsabilité et de solidarité. L'implication de tous sera déterminante pour contenir le virus et surmonter une épidémie de ce type. Chacun a entre ses mains une part de la santé de tous. Protégez-vous et protégez vos proches. Enfin, nous appelons chacun et chacune à rester serein. Dans l'écrasante majorité des cas, le COVID-19 n'est pas mortel et il ne l'a pour l'instant jamais été pour les enfants. Dans l'écrasante majorité des cas, les patients contaminés guérissent. Dans l'écrasante majorité des cas, l'infection est bénigne. En outre, l'expérience des autres pays nous montre qu'avec de la discipline et de la solidarité, l'on finit par en triompher. Régulièrement, les autorités habilitées feront un point sur l'évolution de la situation. Fiez-vous à ces informations et non aux bruits et aux rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux. Je vous remercie.
Il est 5h à Washington, aux États-Unis d'Amérique, 11h au Caire en Égypte. Madame, Monsieur, bonjour. C'est l'heure de votre grande édition d'informations sur Gabon 4. Et voici le sommaire. Pandémie du Covid-19 au Gabon. Après l'annonce d'un premier cas de contamination dans le pays, le gouvernement gabonais prend afin d'éviter la propagation du virus. Les États-Unis étant fortement menacés par la pandémie du Covid-19, Donald Trump, le président américain, a déclaré l'état d'urgence dans tout le pays. C'est officiel, ce vendredi 13 mars 2020, la CAF, la Confédération africaine de football, a annoncé le report des matchs des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. Après le sommaire, voici le développement. En ouverture de cette grande édition d'information, nous parlons de la crise climatique qui est désormais une responsabilité mondiale. En effet, l'avenir de la planète étant le plus grand défi que doit relever l'humanité, les gouvernements doivent agir fortement et immédiatement car l'horloge tourne et il faut agir maintenant afin d'éviter le pire pour la planète Terre. C'est une analyse de Sabrina Massima. Incendie dévastateur, record de température, tempête ou fonte de glace. Jour après jour, les bouleversements liés à la crise climatique affectent la Terre et ses habitants, faisant la une de l'actualité. Malgré les cris d'alarme des scientifiques, la jeunesse mondiale est aujourd'hui aux avant-postes de la prise de conscience planétaire face à l'urgence climatique et ils se produisent à un rythme encore plus effréné que ce que nous craignions. Mais nous sommes loin d'être impuissants face à cette menace mondiale. Comme l'a souligné en septembre 2019 le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, l'urgence climatique est une course que nous sommes en train de perdre. Mais c'est une course que l'on peut encore gagner. Aucun endroit sur Terre n'est à l'abri des conséquences dévastatrices des changements climatiques. La hausse des températures est directement à l'origine de la dégradation de l'environnement. Des catastrophes naturelles, des conditions météorologiques extrêmes, de l'insécurité alimentaire, hydrique, des perturbations économiques, des conflits et du terrorisme. Le niveau des mers monte, l'Arctique fond, les récifs coralliens se meurent. Le coût infini des changements climatiques augmente de manière irréversible. Le temps est venu de mener tous ensemble une action audacieuse. Bientôt, s'adapter va devenir le maître mot de notre vie quotidienne. Aujourd'hui, il n'y a plus de doute pour les sceptiques. Le coronavirus est désormais partout aux quatre coins du globe avec des proportions inquiétantes. Récit. Depuis quelques jours, l'inquiétude a grandi dans le monde entier ces derniers jours. Dans chaque endroit, des mesures d'hygiène sont imposées et vous êtes flashés. En Italie, toute la ville est confinée et les positifs ne cessent d'évoluer. En France, l'adresse d'Emmanuel Macron ce jeudi 12 février a définitivement marqué un tournant. La bise ou pas la bise? Jusqu'au week-end dernier, la question ne se posait pas vraiment. Consigne ou pas consigne, on s'embrassait. Mais la situation a changé. Désormais, les bises sont proscrites par les autorités sanitaires. Est-ce la peur d'une évolution dans plus de 125 pays? L'eau des comptes macabres, jour après jour des contaminations et des décès. L'annonce d'une pandémie par l'OMS, ce n'est plus à prendre à la légère. L'heure est à l'autodiscipline. Le coronavirus a imposé sa loi. La peur s'est installée. Une peur qui se veut raisonnable, responsable, maîtrisée, mais qui incite à s'informer sur le mal, son origine, les traitements, les statistiques, qui conduit à multiplier les précautions et avertissements. Une peur qui pousse surtout à s'enquérir de la situation dans son pays et discipliner ses amis et ses proches. L'épidémie de coronavirus à laquelle une bonne partie des pays du monde font face est plus grave que prévu. Le coronavirus ne joue pas dans la même cour que la grippe. L'apparition des cas graves chez les personnes jeunes de 30 à 40 ans et en bonne santé n'est plus rare. Plus de discours, il est temps de prendre à bras le corps cette maladie qui prend des proportions inquiétantes, même en Afrique.
sa propagation rapide risque d'entraîner un accroissement du nombre de personnes. Ce vendredi, aux USA et au regard de l'ampleur que prend chaque jour le Covid-19, le président américain Donald Trump a déclaré l'état d'urgence pour renforcer la lutte contre le Covid-19 qui a contaminé plus de 2000 personnes et fait 47 morts au pays de l'oncle Sam. Rodney Ovonon. Le Stafford Act, une loi de 1988 qui permet à l'Agence américaine de gestion des situations d'urgence d'aider les États et les collectivités locales en cas de catastrophe, a été activé par Donald Trump. Cette agence disposait à la fin février de plus de 42 milliards de dollars de fonds fédéraux. Mais Trump a évoqué des fonds pouvant aller jusqu'à 50 milliards de dollars. Mercredi, des élus démocrates du Congrès avaient demandé d'activer ce dispositif pour financer à hauteur de 75% des tests de dépistage, des équipements médicaux, des structures de soins provisoires à charge pour les États de payer les 25% restants. Si Donald Trump avait déjà invoqué cette loi pour faire face à des catastrophes naturelles, notamment pour venir en aide à la Californie ravagée par des incendies ou après des inondations dans le Midwest, elle n'a pourtant servi qu'à une reprise pour lutter contre une épidémie. En 2000, Bill Clinton s'en était servi pour faire face à l'explosion de cas de contamination au virus du Nil occidental dans le New Jersey et à New York. Les fonds fédéraux avaient financé des mesures d'éradication des moustiques. Donald Trump a également eu recours à une autre loi votée en 1976, le National Emergencies Act. Celle-ci autorise le président des États-Unis à invoquer les pouvoirs extraordinaires prévus dans d'autres textes à condition de préciser lesquels. Par simple décret, la Maison-Blanche peut ainsi mobiliser la garde nationale ou réquisitionner des biens. Cette loi avait servi après les attentats du 11 septembre 2001 afin de renforcer les pouvoirs de l'armée. Invoquant une urgence migratoire, Donald Trump l'avait activée en février 2019 pour contourner le refus du Congrès de financer un mur à la frontière avec le Mexique. Cette fois, il s'en sert pour étendre les pouvoirs du ministère de la Santé afin qu'il assouplisse le cadre réglementaire pour donner le maximum de flexibilité aux hôpitaux sur le nombre de lits ou encore la durée des séjours et améliorer, bien sûr, la couverture des malades. L'Italie, pour sa part, a reçu la visite d'une équipe médicale chinoise dans le but de renforcer la lutte contre l'épidémie du Covid-19 qui a déjà fait plusieurs morts. Il s'agit de la troisième équipe médicale que le pays de Xi Jinping a dépêchée à l'étranger pour aider à combattre ce mal. Sabrina Kundipenda. C'est un groupe constitué de 9 experts, notamment des spécialistes en soins intensifs, en maladies respiratoires et en contrôle des pathologies infectieuses venues de Shanghai, situé dans l'est de la Chine. Plus d'une trentaine de tonnes de fournitures médicales ont été offertes par le gouvernement chinois, y compris du matériel de soins intensifs, des équipements de protection, des médicaments antiviraux et du plasma. De toute évidence, notre principal problème à l'heure actuelle est lié aux équipements de protection individuelle. Les fournitures médicales transportées par des avions comprennent de nombreux masques. C'est vraiment important pour nous. Comme le nombre de cas infectés continue d'augmenter en Italie, les équipements de communication de haute technologie offerts par la Chine peuvent également jouer un rôle important dans la réponse. Selon le vice-président de la Croix-Rouge chinoise, l'organisation travaillerait avec l'Italie pour partager l'expérience acquise dans la lutte contre le Covid-19. Nous avons traduit nos plans de prévention et de traitement dans plusieurs langues. Nous espérons qu'ils pourront être utiles à l'Italie. La Chine lutte contre l'épidémie depuis plus d'un mois et nos efforts ont porté leurs fruits. L'épidémie est un défi commun à tous les pays. Nous avons l'assurance d'être capables de surmonter les difficultés grâce à la coopération internationale et de remporter la victoire dans la guerre qui menace les vies humaines. Gagner le combat qui menace les vies humaines. Selon un dernier bilan établi par la protection civile italienne, plus de 15 000 cas de Covid-19 ont déjà été enregistrés dans le pays. Actualité au Gabon à présent et nous revenons d'abord sur cette déclaration du porte-parole du gouvernement quant à la menace du Covid-19 sur le territoire national. Laquelle menace a conduit les autorités gabonaises à se mettre sur le pied de guerre en ordonnant la fermeture des établissements scolaires et universitaires afin de riposter contre ces virus devenus une pandémie. On écoute. Pour prévenir toute épidémie dans notre pays et protéger nos populations, les mesures déjà prises sont renforcées aujourd'hui par les suivantes. La suspension des visas touristiques en provenance des zones les plus infectées, à savoir l'Union européenne, la Chine, la Corée du Sud et les États-Unis. La fermeture des crèches, des établissements scolaires
des universités et des centres de formation professionnelle sur l'ensemble du territoire jusqu'au 30 mars inclus, la fermeture des bars et boîtes de nuit jusqu'à nouvel ordre, l'interdiction de rassemblement de plus de 50 personnes sur tout le territoire national, la suspension des événements sportifs et culturels nationaux, la tenue à huis clos de tous les événements sportifs internationaux. De même, par mesure de prévention et pour augmenter ses capacités d'accueil en confinement, le gouvernement a procédé à la réquisition de l'hôtel Rendama. Le gouvernement recommande par ailleurs aux populations de n'utiliser les transports publics que pour les déplacements indispensables. De son côté, le ministre des Transports, Léon Bonda Balondi, a tenu une réunion d'urgence avec les agents du secteur aérien, ferroviaire et routier dans le but de renforcer le dispositif de lutte contre le Covid-19. Compte rendu, Sabrina Kondipenda, Léus Midungo. Trouver des voies et moyens pouvant permettre de mieux protéger les populations contre le Covid-19 déjà présent sur le territoire gabonais, tel était l'enjeu de cette rencontre au ministère des Transports. Réduire les vols en provenance des pays à haut risque, c'est la vision actuelle du gouvernement gabonais, une vision à laquelle entendent adhérer les différentes compagnies aériennes pour le bien de tous. Nous recevons des passagers venant de tout le monde entier. Donc, même si nous fermons ou bien nous réduisons nos fréquences au niveau de Libreville, si l'État, le gouvernement décide d'imposer cette mesure, des passagers pourraient contourner, on va s'y plier. Du côté des transports ferroviaires, tout est mis en place pour stopper la propagation du virus. Donc, du côté de la CETRAC, nous avions commencé par la distribution des flyers, qui reprenait un peu tous les messages qui avaient déjà été véhiculés par l'État, par le gouvernement. Et aujourd'hui, Monsieur le ministre a fait une annonce sur des mesures qui vont être prises. Et donc la CETRAC attend ces mesures-là pour l'application. Donc ça va aller dans le sens du contrôle, comme ce qui se fait dans les aéroports. Le secteur maritime est lui aussi engagé dans cette lutte. Au niveau du port, tous les navires qui arrivent, les équipages sont thermoflashés. Donc effectivement, il y a des prises de température et actuellement, aucun membre de l'équipage n'a le droit de descendre sur le territoire gabonais. Donc tout le monde reste confiné dans le navire. Ça nous permet de faire un certain nombre d'opérations, la manutention par exemple, sans qu'effectivement nous ayons des relations directes, des contacts directs avec les équipages de navires. Les représentants du secteur aérien, ceux du domaine maritime, ferroviaire et routier, sont davantage appelés à faire preuve de vigilance en veillant au strict respect des différentes mesures mises en place par les autorités gabonaises en vue d'assurer la sécurité du plus grand nombre. Soulignons également qu'après l'annonce du premier cas de Covid-19 au Gabon, les populations ont davantage pris conscience de la menace de cette pandémie, les conduisant à prendre d'assaut les supermarchés et certaines pharmacies pour s'approprier des produits désinfectants. Francia Biokela revient sur l'usage de ces produits et les différents modes de prévention. D'une pharmacie à une autre, le constat est le même. Les produits désinfectants se font rares, les stocks ont été ravagés en un laps de temps par les populations. C'est vrai que certains patients ne prenaient pas ça trop au sérieux, en considération. Donc, jusqu'à ce qu'on arrive au Sénégal, au Nigeria, et après le Cameroun, donc ça a commencé à prendre un peu de l'ampleur, au Congo récemment. Et voilà que depuis hier soir, on a déclaré qu'on a eu un patient chez nous, au Gabon. Donc là, tout le monde est en train de s'échauffer et de courir de partout, de gauche à droite, pour pouvoir acheter le gel désinfectant. Normalement, pour l'instant, on recherche des désinfectants, surtout les désinfectants et des bavettes. Mais apparemment, en ce moment, il y a une pénurie au niveau des pharmacies. Pour lutter efficacement contre le Covid-19, le lieutenant revient sur les différents modes de prévention. J'utilise mon coude, le pli du coude pour tousser et puis j'utilise un masque. Si je viens et que je tousse à moins d'un mètre en face d'une personne, la transmission. Il est très bien de parler du masque qui est une des mesures de prévention et de lutte contre la transmission. Il y a deux types de masques.
Le masque chirurgical, hein, ce qu'on appelle virgulement la bavette, ça existe au Gabon. Ces mesures préventives sont appliquées régulièrement pour limiter la propagation du Covid-19 dans le pays. Parlons à présent de ces membres de l'association Andofi Gabon qui étaient ce 13 mars dans les locaux de l'ANPI Gabon à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre l'endométriose sous le thème « Osons briser le silence ». Sensibiliser la gente féminine sur cette maladie avec les témoignages des différentes victimes et l'apport des différents spécialistes était l'objectif de cette rencontre. À l'occasion de la Journée mondiale de la lutte contre l'endométriose célébrée chaque 13 mars, l'Agence nationale de promotion des investissements a tenu à sensibiliser l'ensemble de son personnel féminin sur l'endométriose, une maladie parfois méconnue du grand public. Il est important à travers cette campagne de sensibilisation qui a été effectuée au personnel de l'ANPI que la population prenne conscience, que le grand public prenne conscience que cette pathologie existe. Et ça détruit beaucoup de vies familiales. Laure Stella Nyomba Mukumbi, une victime de la maladie depuis plusieurs années, nous partage son expérience. Je vis avec l'endométriose, ça fait 14 ans. J'ai appris à connaître mon corps, parce qu'il faut comprendre son corps, il faut l'écouter. Le corps nous parle. Avec l'endométriose, il faut écouter son corps. Il faut savoir comment je dois me tenir. Qu'est-ce que je dois faire ? Pour la présidente d'Andofi Gabon, des activités comptent se multiplier à Libreville et dans plusieurs provinces du Gabon en vue de mieux sensibiliser les femmes. Dans notre plan d'action, aujourd'hui c'est Libreville, mais nous pensons nous étendre dans d'autres localités. Il est prévu des déplacements à Port-Gentil, à Franceville, donc le programme s'étend. L'endométriose n'a jusqu'à présent aucun traitement curatif, d'après les spécialistes en santé. Il convient aux femmes de faire plus attention à leur santé. Les règles douloureuses ne doivent en aucun cas être négligées car elles font partie des différents symptômes liés à cette maladie. Comme autres symptômes, il y a les troubles digestifs, les troubles urinaires, la fatigue chronique, des douleurs au niveau du bas-ventre, les saignements en dehors des règles, ainsi que des douleurs au cours des rapports sexuels. Remise d'attestation de fin de stage aux agents des forces de police nationale qui ont pris part aux enseignements de la langue des signes. Ce vendredi, ils ont manifesté leur joie d'avoir une nouvelle corde à leur arc pour le développement de leur profession. Reportage Linda Gaël Manganga, Yves Lervel. Ils étaient une vingtaine d'agents des forces de police nationale à prendre part à cet atelier d'apprentissage de la langue des signes afin de faciliter les procédures d'usage avec les personnes malentendantes ou muettes. Au terme de la formation, une attestation leur a été remise. La formation qui s'achève aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités de nos personnels. Ce type d'action s'impose comme des solutions avant-gardistes, car des personnes sourdes-muettes, pour se rapprocher des policiers, pour leur apporter des informations, pour s'enquérir de renseignements ou pour apporter un témoignage crucial. La police nationale, fidèle à son engagement d'être une police de proximité, n'exclut pas les personnes vivant avec un handicap d'expression. Pour ces agents, le langage des signes brise certaines barrières. Bien évidemment, le travail du policier étant de se rapprocher au mieux possible des populations et de se mettre à leur service, le langage des signes ne peut que nous apporter un plus dans la communication et les échanges avec la communauté sourde et muette. Enregistrer une plainte de personnes sourdes ou muettes, recueillir son témoignage ou encore établir des rapports, ces agents ont acquis des rudiments qui leur permettront d'accomplir leur mission. Nous avons été agréablement surpris de l'intérêt manifesté par ces policiers. Et pendant la formation, c'était véritablement un échange fructueux parce qu'on a eu plusieurs témoignages des policiers. L'implication des stagiaires a ravi le commandement en chef qui rassure de l'étendue de ce type de formation pour les agents de police. Avec Linda Ngon et Jospin Boba Dianga, nous parlons de ces élèves dont les candidatures aux examens de fin d'année ont été rejetées par la Direction générale des examens et concours pour des raisons de falsification de bulletins qui passent en audition devant la commission mise en place à cet effet par le ministère de l'Éducation nationale. Cas par cas, plus de 1000 élèves dont les candidatures ont été rejetées récemment par la Direction générale des examens et concours vont être entendues. Ce 13 mars, les élèves du lycée Mikolongo sont passés en audition. La commission, je l'ai trouvée assez
assez relax. Quand on a rejeté mon dossier, ça m'a vraiment fait mal en fait. Je me disais que bon, quand ça passait, j'allais valider comme les autres. Et voyant les autres, les noms des autres et tout, non. C'est pourquoi j'ai regretté. J'ai fait des cours de vacances, j'ai fait des cours pour pouvoir me mettre au niveau et de participer à cet examen. C'est pourquoi dès lors que mon dossier a été rejeté depuis, je me suis toujours battu. Venir voir le censeur et dire, monsieur, s'il vous plaît, j'ai envie de le passer. Depuis le 9 mars, la commission d'enquête chapeautée par le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale interroge les apprenants sur un certain nombre de faits, à savoir la provenance des bulletins falsifiés et pourquoi avoir recours à cette pratique. Il y en a qui pensent qu'ils sont déjà en retard par rapport à leurs âges et donc ils font tout pour être en terminale et passer le baccalauréat à temps. Sur les 12 dossiers rejetés au lycée de Mikolongo, seuls 10 se sont présentés devant la commission. Ce qui se fait, c'est des questions qu'on pose aux différents élèves qui ont eu les dossiers rejetés. On essaie un peu de comprendre comment ils ont fait pour s'inscrire dans différentes écoles et avec les bulletins falsifiés. Nous avons cette volonté d'accompagner le ministère de l'Éducation nationale, sachant aussi, nous défendons aussi les intérêts moraux et matériels de ces derniers, c'est-à-dire les élèves. Notre rapport est indispensable dans le système éducatif gabonais. Cette commission d'enquête composée du secrétaire général du ministère de l'Éducation, de la Fédération des parents d'élèves et des représentants des syndicats de l'éducation dressera son rapport au ministère de tutelle avant de trancher sur le sort de ses apprenants. Une nouvelle œuvre a vu le jour dans le monde littéraire gabonais. Le titre, Condamné à réussir, Dizel Akwe entend booster les entrepreneurs confirmés et en devenir du continent africain. Gabriel Ratanga, Frendongo. Condamné à réussir, c'est le titre d'une nouvelle œuvre littéraire made in Gabon. Loin d'être un slogan, l'auteur Dizel Akwe parle d'un mouvement qui entend impacter positivement le continent africain. Le livre part à la redécouverte de notre identité. Le livre raconte des pans de l'histoire de notre continent et même de notre pays, le Gabon, que nous avons oublié. Le livre parle aussi des échecs. Nous avons tendance à fuir les échecs. Et même les personnes comme moi qui sont souvent face au public, nous parlons de nos réussites, nous parlons de ce que nous faisons bien. Mais nous ne parlons pas des fois où nous avons échoué. Il faut partager ces expériences négatives pour pouvoir permettre aux autres d'apprendre, de s'en sortir et de faire mieux que nous. Lorsqu'on regarde ce qui se passe autour de l'Afrique, aujourd'hui il y a une renaissance économique, culturelle, sociale. Le monde entier va s'inspirer de ce que nous faisons et nous n'avons pas le choix. C'est pour ça que nous sommes condamnés. C'est une sentence, que vous le vouliez ou pas. Nous allons tous réussir à écrire notre page de l'histoire de l'Afrique. Ils sont nombreux, ces entrepreneurs qui ont été fascinés par la présentation de l'œuvre et son contenu très riche. L'auteur veut nous emmener à comprendre que l'échec n'est pas une fatalité. Par contre, l'échec devrait nous donner encore plus de force pour nous relever et aller au-delà de ce qu'on veut réaliser. J'ai essayé d'expliquer simplement que nous sommes condamnés à réussir. L'échec fait partie du processus de l'entrepreneuriat, mais nous devons rencontrer aussi des gens qui impactent nos vies, qui impactent la vie de nos entreprises. Et c'est un peu le démarche que j'essaye de faire, c'est-à-dire essayer aussi de rendre ce que j'ai reçu. L'œuvre Condamné à réussir contient 8 chapitres avec des thématiques aussi riches que variées, mais toutes liées, qui s'adaptent aux réalités du continent africain pour un leadership prometteur et efficace. Pour la boucle de cette grande édition d'information, hier vendredi, la Confédération africaine de football a finalement décidé de reporter les rencontres des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021, prévues ce mois de mars. Une décision, vous le savez, liée à la pandémie du Covid-19, comme nous le relate ici Rodney Ovono. La question du report ne se pose plus. Le trop grand nombre de joueurs devant se déplacer entre le continent européen et africain a pesé dans la balance. Selon la CAF, la requalification de la crise sanitaire mondiale du Covid-19 en pandémie par l'OMS et compte tenu des difficultés de déplacement de plus en plus grandes à travers le monde, il est nécessaire de reporter l'organisation des matchs éliminatoires de la CAN 2021. Toutefois, la CAF indique qu'elle proposera un nouveau calendrier. Avant cette décision, plusieurs sélections avaient estimé que la CAF mettait du temps à réagir. Pour Claude Leroy, sélectionneur du Togo, la Confédération africaine devrait mettre en avant la santé des joueurs alors que le Togo devait affronter l'Égypte, un pays touché par la pandémie. Le Burundi, pour sa part, avait d'ores et déjà indiqué que ses joueurs évoluant en Europe ne seraient pas convoqués. Une mesure prise après la décision du ministère de la Santé qui exige 14 jours de quarantaine pour les personnes arrivant sur le sol burundais. Ces derniers jours, plusieurs pays du continent désormais touchés par la pandémie du Covid-19
ont pris des mesures drastiques. L'Algérie a annulé toutes ses manifestations, notamment sportives. Le Maroc a de son côté décrété le huis clos pour tous les matchs de football, tout comme l'Égypte. Madagascar, le Rwanda et le Kenya ont également interdit tous les rassemblements sportifs. Après l'apparition du premier cas de Covid-19 sur son sol, le Gabon a décidé de la suspension des activités sportives. En outre, les qualifications à la CAN féminine 2020, prévues du 6 au 14 avril, ainsi que les qualifications à la Coupe du monde féminine U20, prévues du 20 au 29 mars, sont également reportées. Point final à cette grande édition d'information. Voici le rappel du sommaire. Pandémie du Covid-19 au Gabon. Après l'annonce d'un premier cas de contamination dans le pays, le gouvernement a pris de nouvelles mesures afin d'éviter la propagation du virus. Les États-Unis étant fortement menacés par la pandémie du Covid-19, Donald Trump, le président américain, a déclaré l'état d'urgence dans tout le pays. Et puis, c'est officiel, ce vendredi 13 mars 2020, la CAF, la Confédération africaine de football, a annoncé le report des matchs des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. Merci à vous de rester sur le fil d'actualité de Gabon 24 à travers notre chaîne YouTube et nos pages Facebook et Twitter. Prochain rendez-vous, 12h. Le best des best, Yami, Dieu. Gabon Télécom, résonnant, number one, Dieu. C'est pas la blague, Yami, Dieu. C'est nous. Gabon Télécom, le réseau du haut débit.
Tu es le best des best, l'ami. Tu as bon télécom, réseau number one. Dieu, c'est pas la blague, ouais, d'ami. Dieu, c'est nous. Gabon Télécom, le réseau du haut débit. Le Gabon a sollicité récemment sur le marché financier international la somme d'$1 milliard à travers un emprunt obligataire. Une opération qui a été un succès. Emprunt obligataire, qu'est-ce que c'est? Comment y souscrire? Les réponses sont avec vous. Emmanuel Baird, directeur général à la dette au Gabon, bienvenue sur ce plateau. Merci, bonsoir. Ben écoutez, durant une vingtaine de minutes, on parlera de ce gros mot de l'économie avec vous. Complément d'info, c'est maintenant. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Pour 26 minutes, je suis avec Emmanuel Baird, directeur général de la dette au niveau du Gabon. Monsieur le directeur général, une fois de plus, bienvenue. Bienvenue, merci. Mais alors, on écoute emprunt, il y a donc l'action d'emprunter, mais on se demande forcément, l'adjectif obligataire nous pose un peu problème. Peut-être nous expliquer au préalable qu'est-ce que c'est qu'un emprunt obligataire. D'accord, alors un emprunt est assorti d'un document qui matérialise cet emprunt, en l'occurrence une obligation. Donc c'est un document qui revêt un caractère obligatoire, c'est-à-dire que pour un investisseur, il est sûr d'être payé exactement le rendement qui est prévu sur le coupon, jamais moins, d'où le nom obligataire. Mais peut-être qu'il faut, avant de parler de technique, essayer de parler un peu d'une manière plus simple des choses. Ce qu'il faut dire, je me permettrai de prendre l'exemple d'une personne physique. D'accord. Une personne physique a son revenu, un salaire. Si elle n'a que son salaire et qu'elle n'a pas accès au crédit auprès de son banquier, il est difficile pour elle, par exemple, d'acquérir un véhicule, qui est un bien de consommation, ou de construire une maison, qui est un bien d'investissement. Donc, de la même manière qu'un particulier a son salaire plus l'accès au crédit comme source de revenus, un État, c'est la même chose. Il a ses revenus propres, qui sont la fiscalité principalement, c'est-à-dire les impôts, taxes, douanes, et les revenus d'emprunt qu'il peut lever localement via les bons du Trésor ou les obligations du Trésor, dans la sous-région via des emprunts sous-régionaux ou à l'international, comme ça a été le cas cette fois-ci. Et alors là, quelle différence lorsqu'on lève ces obligations au niveau local, au niveau sous-régional et au niveau international? Est-ce qu'il y a plus d'obligations de l'État par rapport à ses créanciers finalement? La grande différence, c'est la taille du marché. Lorsque vous êtes à l'international, vous avez un marché qui est immense, vous avez beaucoup plus d'acteurs, certainement aussi plus de technicité des opérations. Sinon, les opérations sont similaires. Donc, c'est en fonction de la taille de l'opération que l'on recherche, que l'on choisit, le marché et le prix que cela va coûter. Ça dépend aussi du marché. Le Gabon, qui avait déjà souscrit un emprunt obligataire au niveau sous-régional, CEMAC, en fin 2019, et puis là, on est sur le marché international, donc un marché un peu plus large. Est-ce que ce genre d'opération peut arriver deux fois dans l'année, plusieurs fois dans l'année? Et pourquoi on en arrive à cela? Alors, tout à fait, c'est ce qu'on appelle des opérations de gestion active de la dette. Ça s'appelle gérer correctement son endettement. C'est la pratique de tous les États. Et des États, c'est même une caractéristique des États développés. Parce que pour pouvoir accéder au marché, il faut avoir des données financières fiables, c'est une chose. Un programme économique qui tient la route, c'est une autre chose. Et surtout, des données qui alimentent la confiance des investisseurs qui sont des investisseurs professionnels. La différence entre ces deux opérations, l'opération sous-régionale, c'est une opération de levée de fonds, d'accord, dont une partie servait à financer les contreparties des projets gabonais. L'opération actuelle, c'est un reprofilage. On entend ce mot savant un peu partout. Et j'espère que vous allez nous expliquer, monsieur le directeur général. Tout à fait, je suis là pour ça. Je vais essayer de le faire d'une manière simple. Reprofilage de l'emprunt obligataire international, pour faire encore plus technique, certains disent eurobond, donc euro, marché international, et bond, emprunt. Alors, que veut dire un reprofilage? Encore une fois, je vais prendre l'exemple d'une personne physique qui est allée chez son banquier chercher un crédit.
Elle a sollicité un crédit qu'elle a commencé à rembourser. Au cours de la vie de ce crédit, elle revient voir son banquier et elle dit à son banquier, écoutez, j'ai tellement bien travaillé, voilà mes résultats, ils sont audités, je crois tellement à mon programme que vous, je vous demande d'y croire. Et d'y croire à tel point que vous allez me donner à moi encore l'argent qui va vous permettre de vous rembourser ce que je vous devais. Vous allez rallonger de 10 ans. Et puis, ben, au passage, vous allez aussi baisser le taux parce que je me suis amélioré. D'accord. Et c'est exactement l'exercice qui vient d'être fait. Qui vient d'être et fait. Et d'être réussi. Et c'est pour cela que l'on parle de succès. À ce niveau, le rebond qui a été reprofilé, c'est donc un emprunt qui existait, qui a été souscrit en 2015. D'accord. $1,5 milliard de dollars au départ. Il y a eu donc un certain nombre de remboursements avec une montée, puisque c'est un échéancier progressif, une montée de ces remboursements qui allaient atteindre leur point culminant en 2022, 2023 et 2024. Lorsqu'on parle de point culminant, il s'agissait de l'ordre de 650 millions de dollars, c'est-à-dire pratiquement 340, 350 milliards de francs CFA en plus à rembourser par rapport à ce que le Gabon rembourse déjà. Si on fait un calcul rapide, c'est de l'ordre de 20 à 25 milliards de plus par mois. Lorsque l'on va chercher des emprunts, on a des prévisions de croissance. Aucun économiste n'est capable d'estimer la croissance avec certitude. Oui. A posteriori, oui, on peut faire toutes les analyses, mais savoir à l'avance ce qui va se passer, non. Et en l'occurrence, il y avait un certain nombre d'éléments que personne n'anticipait, qui étaient par exemple la chute des cours du pétrole en 2016. Il faut savoir que lorsque le pétrole a chuté, il est passé de 120 aux alentours de 70 dollars. Donc, les recettes ont été divisées par deux. De moitié. Deux. Et il y a eu donc un choc sur les finances publiques, parce que globalement, ça veut dire que vous avez deux fois moins de recettes. Face à cette situation, le Gabon, à travers la volonté de son chef de l'État, le président de la République, son Excellence Ali Bongo, a tout de suite réagi en mettant en place un plan de relance économique. Plan de relance économique qu'il a concrétisé par la signature d'un programme avec le FMI. Il faut savoir que le Gabon a été le premier État de la zone CEMAC à mettre en place le programme économique avec le FMI. Et donc, nous sommes passés de 2016 d'une situation qui était très difficile, dans laquelle nous avions un déficit public, c'est-à-dire, en gros, des dépenses supérieures à nos recettes de l'ordre de 8%, une constitution de nos avoirs extérieurs, c'est-à-dire que notre monnaie, le CFA, pour qu'elle puisse être convertie en euros, nous sommes censés couvrir un certain nombre de mois de réserve. Nous étions tombés à 1,6 mois, ce qui est un niveau très bas. Et l'inflation était relativement haute. Trois ans après, fin 2019, d'abord, il n'y a plus de déficit budgétaire. Nous sommes revenus à l'équilibre. L'État a réussi à équilibrer. Voilà. Ensuite, les avoirs extérieurs ont été reconstitués à plus de 4 mois de couverture. Et surtout, la croissance est de retour. La croissance est, pour l'année 2019, à 3,4%. D'accord. Avec une prévision à 3,8% pour 2020. Tous ces chiffres sont élaborés en lien avec le Fonds monétaire international. Et l'intérêt de cette croissance, c'est que c'est une croissance qui est ce qu'on appelle une croissance de qualité. La toute première qualité de la croissance, c'est d'abord d'exister. Il faut savoir que les pays européens, quand ils ont 0,5 ou 1% de taux de croissance, sont très contents. Mais la deuxième chose, c'est la composition de cette croissance. La composition de la croissance, pour 3,4% de taux de croissance, plus de 2,8% est représenté par le secteur hors pétrole. C'est-à-dire que désormais l'économie... Ce qui montre une véritable avancée en termes de diversification économique au niveau du Gabon. Tout à fait. Et ce qui montre la pertinence de la vision du chef de l'État. Parce que pour arriver à un tel résultat en 2019, c'est que la décision a été prise depuis fort longtemps. Rappelez-vous, lorsque le chef de l'État commença par prendre la décision d'interdire l'exportation de grumes. En 2010. C'était le début de la diversification de l'économie. Donc aujourd'hui, l'économie au Gabon est principalement tirée par le secteur hors pétrole, c'est-à-dire la première, la deuxième et la troisième transformation du bois, la zone industrielle de Nkok, les mines,
notamment avec la première et la deuxième et la troisième transformation du manganèse au niveau de Comilog et du centre industriel de Mwanda, avec de très belles perspectives d'augmentation de production et pourquoi pas de production d'autres minéraux. Est-ce qu'il faut comprendre, M. Baird, que cet rebond qui avait été émis en 2015 a servi à diversifier finalement cette économie et a servi finalement à tout ce que vous énoncez ici? Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a participé, puisque ce financement depuis 2017 a permis donc de financer l'économie du Gabon et a permis de soutenir ce programme de diversification dont aujourd'hui nous voyons les résultats. Nous ne sommes pas les seuls à les voir, mais le marché international le voit. D'accord. Puisque pour $1 milliard que nous cherchions, l'offre que nous avons eue sur le marché international, c'est 3,7 milliards. C'est-à-dire que les investisseurs internationaux étaient prêts à investir sur la marque Gabon 3,7 milliards. Ces fameux banquiers dont je vous ai dit, croyez en nous, mm-hmm. donnez-nous l'argent pour vous rembourser et en plus on va rallonger. Bah alors, ils y ont tellement cru oui. qu'ils étaient prêts à mettre 3,5 milliards. Lorsqu'on arrive à cet état des faits, le Gabon peut décider de ne prendre que le milliard dont il a besoin ou il prend éventuellement les 3,7 milliards qui lui sont proposés. Non, le Gabon doit être un bon gestionnaire. D'accord. Le Gabon doit être un bon gestionnaire. Je crois que les directives du chef de l'État sont claires. Celle rappelée par le Premier ministre et le ministre aussi, et nous sommes un État organisé, une République. Donc, lorsque nous menons de telles opérations, nous ne pouvons pas les mener comme nous voulons. Nous avons l'obligation, et c'est ce qui a été fait, de passer d'abord au Parlement, donc les deux chambres, aussi bien l'Assemblée nationale que le Sénat, pour expliquer notre opération, en obtenir l'autorisation et que ce soit voté dans une loi. Et nous avons donc l'obligation de nous y tenir. Par contre, l'intérêt d'avoir 3,5 milliards d'offres, c'est de montrer la confiance et la qualité des chiffres qui illustrent le travail qui a été fait. Et deuxièmement, lorsque vous avez beaucoup d'offres, ça vous permet maintenant de diminuer les taux. D'accord. Parce qu'il y a cette question du coût. Mmh. Nous avions une obligation initiale qui était aux alentours de 6,35% de taux d'intérêt en 2015. Mais la dernière fois que nous avons été sur le marché, en 2017, le taux obtenu était de 6,95%. Or, ce que l'on regarde, ce n'est pas le taux de l'opération, c'est le taux du pays. Parce que le taux qui vous est donné, c'est le risque qui est ressenti par rapport à votre pays. Ce qui veut dire que la dernière fois que le Gabon est allé sur le marché international en 2017, le risque qui était pressenti était estimé à 6,95%. Et finalement, aujourd'hui, avec ce à milliard... À 6,62. Donc, ça veut dire que... En diminution, mm-hmm. en rallongeant et en obtenant même de l'argent frais. Parce qu'après, il faut parler de la décomposition du montant. Effectivement. À vous de nous expliquer, parce qu'un milliard de dollars, c'est beaucoup d'argent. Vous nous avez dit que ça servirait certainement à épurer déjà l'emprunt en cours et peut-être à envisager aussi d'autres perspectives d'investissement. À vous de nous expliquer concrètement comment ce milliard sera utilisé. Alors, effectivement, il s'agit d'un milliard de dollars. Je vais peut-être en parler en CFA pour que ce soit... Oui. Un peu plus clair pour les téléspectateurs. Pour simplifier les choses, disons qu'un milliard de dollars, c'est à peu près 600 milliards de francs CFA au cours du jour. Sur ces 600 milliards, d'abord, 500 milliards sont donnés par les investisseurs, comme je l'ai dit, pour qu'on leur rembourse ce qui leur restait sur l'échéancier de départ. D'accord. Et ensuite, les autres 100 milliards disponibles sont l'argent qui rentre au Gabon pour financer la croissance. Parce que, quel que soit le niveau de dette que vous avez à rembourser, il faut bien créer de la richesse. De la même manière qu'un particulier, pour prendre un exemple, rembourse son crédit avec son salaire, l'État, lui, n'a pas un salaire, mais il a ce qu'on appelle une richesse, le produit intérieur brut, oui. qui est ce qui permet de mesurer la richesse d'un État. Pour que ce produit intérieur brut progresse, il faut de la croissance. Pour qu'il y ait ce qu'on appelle la croissance, en français facile, c'est quand les affaires marchent. Marche. Et on l'a vu, les prévisions pour le Gabon sont bonnes. Voilà. Quand rien ne marche, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de business, les affaires ne marchent pas, il n'y a pas de croissance. Donc,
Pour qu'il y ait de la croissance, il faut de l'investissement. Or, les principaux facteurs de croissance, c'est effectivement les projets prioritaires identifiés par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, notamment, qui sont d'abord les transports, les axes de déplacement. Il faut la route gabonaise. J'allais vous dire, effectivement. Il faut la réhabilitation du chemin de fer, qu'on ait un chemin de fer qui fonctionne bien. Une fois qu'on a la route, il faut l'énergie. Donc, si vous avez des usines, il faut l'énergie pour produire. On a le Grand Poubara, on a l'ouvrage de Boué, et puis on en a encore un troisième qui est en œuvre. Et puis, certainement qui devrait arriver en premier, il faut les hommes avec grand H. Mais comme on est à l'ère de l'égalité, disons les hommes et les femmes, bien formés, l'éducation. Pour l'éducation. Parce que jusqu'à présent, le Gabon souffre encore d'un problème de manque d'établissements, effectifs pléthoriques. Comment on arrive à cela? Comment les enfants vont être bien formés si on n'a pas les prérequis? Voilà. Donc, effectivement, d'où ces projets, réhabilitation, construction de lycées. J'ai cru lire dans la presse dernièrement que ça avait d'ailleurs déjà commencé. Donc, voilà l'ensemble et la logique de ces projets. Ces projets, comme tout projet, il y a des bailleurs qui interviennent. Il y a différents types de financement. Vous avez certains partenaires qui vont dire « Nous, on finance tout au nom du développement. » Donc, l'État gabonais n'a rien à mettre, mais l'État devra rembourser. Vous avez certains autres bailleurs internationaux qui vont dire « Nous, on met 80, vous, vous mettez 20. » Donc, il y a une contrepartie gabonaise à créer. Et puis, il y a d'autres partenaires qui vont dire « Nous, on est des privés. On met tout. L'État n'a rien à mettre. » Par contre, ce qu'on a investi, nous, on n'est pas une association, loi 1901, on vient pour gagner de l'argent. Donc, on doit rembourser notre investissement, voire faire un bénéfice. C'est ce qu'on appelle les partenariats publics-privés. Pour ce type de financement, ils vont estimer de manière précise la taille de l'investissement et en fonction de ça, dire mais soit on aura une concession, soit on aura une redevance, soit on aura un péage sur telle durée, etc. Si vous regardez un pays comme la Côte d'Ivoire, tous les ponts qui ont été construits sur la lagune, si vous allez à côté en Guinée équatoriale, toutes les voies qui partent de l'aéroport, dès qu'on sort de l'aéroport, on met 200, je ne sais pas combien c'est dernièrement, mais à l'époque, c'était 200 francs qu'on mettait. Oui. C'est des partenariats publics-privés. Donc, le montant de 100 milliards qui va venir, bien sûr, ne va jamais pouvoir couvrir la totalité des infrastructures, mais ce qui est sûr, c'est qu'il va pouvoir constituer une partie des contreparties gabonaises qui vont être nécessaires sur ces projets d'investissement, donc de croissance, en fonction du montage qui sera effectué. Troisième chose qui est peut-être importante à expliquer aux Gabonais, c'est cette question de la soutenabilité. Voilà un autre mot savant que l'on entend. À vous de nous expliquer, Monsieur le Directeur général. Voilà, et on va essayer de l'expliquer en français facile. Qu'est-ce que ça veut dire, la soutenabilité? La soutenabilité, c'est de dire, est-ce que vous avez l'argent pour payer les dettes que vous prenez? En français facile. Et là, je vais encore prendre un exemple. De la même manière qu'un particulier, lorsqu'il va à la banque, il demande à son banquier un crédit. Le banquier va lui dire, donnez-moi votre fiche de salaire. Et par rapport à votre fiche de salaire, moi, je peux vous faire une échéance maximum de temps, parce qu'on appelle ça la quotité cessible. Un tiers pour la banque maximum, un tiers pour vous, pour vivre vous-même, et un tiers pour votre famille. Les États n'ont pas de salaire. Ils ont le produit intérieur brut, qui représente leur richesse. Donc, quand on parle de soutenabilité, pour savoir si c'est soutenable ou pas, on regarde le ratio, c'est-à-dire la division entre la dette publique d'un côté, divisé par la richesse que l'État crée sur un an, le PIB. Ce ratio permet de comparer différents pays, même s'ils ont des économies à des stades de développement différents. On peut comparer le Gabon et les États-Unis. Pourquoi? Parce que la richesse créée par les États-Unis, donc le résultat de leurs investissements, est dans le PIB, qui sert au calcul. La dette est aussi en haut. C'est la même chose pour le Gabon. Donc, le degré de développement est reflété des deux côtés de la fraction. Lorsque l'on regarde ces ratios, les pays occidentaux sont tous à plus de 80% sur ce ratio. Et bien sûr, plus il est haut, plus il est mauvais. D'accord.
les pays nord-américains sont entre 90 et 100%. Certains dépassent 100%. Et pour parler du Gabon? Le Gabon est à 57%. Monsieur le directeur général, est-ce qu'il n'y a pas... Si vous me permettez de continuer... Allez-y. Le Gabon est à 57%. Ça veut dire que le Gabon, d'abord, en termes de politique d'endettement et de soutenabilité, est très loin devant ces pays, lorsque l'on regarde ces ratios. La deuxième chose, c'est qu'au niveau de la zone CEMAC, à laquelle nous appartenons, il y a des critères de convergence, plusieurs, des aspects que les États se sont engagés à respecter. En ce qui concerne la dette publique, la limite maximum, c'est 70%. Aujourd'hui, pour parler concrètement, la dette extérieure publique du Gabon s'estime à près à plus de 4 000 milliards de francs CFA. Est-ce qu'on ne court pas le risque de l'asphyxie avec tous ces emprunts obligataires qui sont, d'une certaine manière, une autre forme d'endettement pour le Gabon? Non, c'est ce dont je vous parle. C'est comme si vous dites, vous allez à la banque, vous prenez des crédits successivement. Mais si vous ne dépassez pas vos 33%, le banquier va toujours vous donner crédit et vous le paierez toujours. D'accord? D'accord. Donc, cette réflexion, c'est comme de dire un État ne devrait pas s'endetter. Mais je prends le même exemple pour un particulier. Un particulier qui respecte ses 33% de taux d'endettement. Est-ce qu'il va trouver logique pour lui de dire « si moi j'ai accès au crédit, je ne vais pas y aller » Bien sûr que non. Il va aller solliciter un crédit. Et un État, c'est la même chose. Parce que l'État n'a que deux sources de financement. Soit les emprunts, et l'État le gère très bien, puisque je vous dis, il est à 57%. Donc, quand vous comparez aux pays les plus développés, notre endettement public est mieux géré que le leur. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le ratio. Deux, quand on se compare à la CEMAC, nous sommes très en deçà. C'est-à-dire qu'on a encore de la marge. Les plus grands économistes l'ont analysé. Trois, lorsqu'on regarde la trajectoire de ce ratio, nous partons de 60 et quelques pourcents dans les années 2016 pour nous retrouver à 57. C'est-à-dire que c'est une tendance baissière. Mais la question a quand même son sens c'est pas de l'endettement pour prendre de l'endettement, une dette qui en remplace une autre. Là, je prendrai encore un exemple simple. Oui, on a envie de comprendre, monsieur le directeur général. Vous avez une échéance à la banque de 500 000 et vous avez la possibilité de la négocier à 250 000. Vous n'allez pas le faire? Bien sûr que si. Mais c'est la même chose pour le Gabon. C'est exactement la même chose. Sous réserve que le banquier vous prenne au sérieux, qu'il pense que vous êtes crédible, et que ce que vous lui dites est vrai. Et c'est le cas du Gabon. Et donc, ça veut dire qu'après ces opérations d'emprunt obligataire, surtout qu'on parle de reprofilage d'emprunt obligataire international, il y a donc au niveau national, au niveau du Gabon, de l'État gabonais, un gros travail de suivi et évaluation de tous les projets qui sont contenus dans cette fourchette qui a été déboursée. Tout à fait, tout à fait. Je pense que ce travail-là est une nécessité. Vous savez, la difficulté d'un projet, je prends encore un autre exemple, pareil. Quelqu'un qui construit une maison, il a fait son plan et puis il a eu 25 millions de crédits pour faire sa maison. Mais s'il amène à un ami sur son chantier et que l'ami lui dit « ça serait mieux que tu fasses une deuxième salle de bain » et il a le malheur de l'écouter, il ne finira jamais la maison. Parce que désormais, sa maison coûte 35 millions, il a voulu faire mieux, mais il lui manquera 10 millions. C'est exactement la même chose pour un État, encore une fois. Chaque fois, je vais essayer de faire un parallèle vraiment simple. Bien sûr, pour qu'on comprenne, effectivement. Lorsque vous faites un projet, vous avez au début une estimation, mais il faut que cette étude soit le plus sérieux possible. Je prends un exemple, vous voulez tracer une route, mais il faut que vous ayez étudié spécialement le tissu géologique où vous allez faire passer votre route. Parce que de Libreville au Haut-Ogooué, il n'est pas le même. Oui. Donc les coûts ne peuvent pas être dits, c'est temps par kilomètre. Effectivement. Si sur la voie, vous avez des populations qui ont occupé, il va falloir... Déguerpir les populations. Je n'aime pas trop ce mot, mais disons, les déplacer et les dédommager. Oui.
ce sont des coûts qui doivent être intégrés. Parce que si vous ne l'avez pas intégré, mais vous allez arriver au milieu de votre projet, il va vous manquer de l'argent. Et le projet sera arrêté. Donc, effectivement, un gros travail doit être fait sur toute la partie des études préparatoires à ces projets d'investissement. Mais je crois, et je ne crois même pas, je vois que la volonté politique et la traduction dans les faits est déjà là. C'est ce qui explique l'évolution de nos chiffres de 2017 à 2019. Encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les chiffres. Ce sont les chiffres et l'analyse qu'en ont les plus hauts experts au niveau international. Et ce sera votre mot de fin. Merci à vous, monsieur Emmanuel Baird, directeur général de la dette au Gabon. Merci pour tous ces éclaircissements sur l'emprunt obligataire. Un emprunt obligataire, vous l'aurez donc compris, chers téléspectateurs, est donc une forme de financement à laquelle recourent les États, les banques, les entreprises et même les collectivités locales. En contrepartie, les investisseurs deviennent propriétaires d'un titre de créance, encore appelé obligation, qui leur apporte des intérêts. Complément d'information, c'est terminé pour aujourd'hui. À très vite. Tu es le best des best, l'ami. Tu as bon télécom, réseau number one. Dieu, c'est pas la blague, Dieu. C'est nous. Gabon Télécom, le réseau du haut débit. Tu es le best des best, l'ami. Tu as bon télécom, réseau number one. Dieu, c'est pas la blague, l'ami. Dieu, c'est nous. Gabon Télécom, le réseau du haut débit.
Bonsoir à tous et bienvenue sur Gabon Télévision et Gabon 24. Du jamais vu dans le monde, le coronavirus, le Covid-19, défraie aujourd'hui la chronique. Chaque pays choisit sa stratégie. Le Gabon a opté pour la réadaptation des stratégies de lutte et de riposte après la déclaration officielle du porte-parole du gouvernement d'un cas détecté. Que faire aujourd'hui face à une telle solution, une telle situation? Autant d'interrogations que Laetitia Galibika et moi allons donc soumettre aux intervenants invités ici ce soir. Alors, bonsoir Laetitia. Bonsoir Patricia, Lydie Mouelé, Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. On compte à ce jour plus de 142 987 personnes contaminées. Ce sont les derniers chiffres de l'OMS. Près de 5377 morts. Oui, 138 pays et territoires dans le monde touchés. Les chiffres font froid dans le dos et pourtant le coronavirus ou Covid-19 fait toujours courber le monde entier en termes d'économie, de politique, mais surtout de santé. Qu'est-ce qui justifie cette avancée macabre? Quel est l'état des lieux au Gabon? Quels sont les moyens de prévention mis en place? Quelle est la capacité opérationnelle? Pour quel résultat? Quel mécanisme de prévention efficace? Toutes ces questions seront abordées avec nos différents invités, ceux-là même qui ont choisi de vous parler, mais qui sont stratégiques à plus d'un titre, et vous le saurez durant toute cette émission. Il s'agit du professeur Anchoua Romain à ma gauche, qui est directeur général du service de santé militaire. Merci et bienvenue. Il y a à ma droite le docteur Patrick Obian, qui est secrétaire général au ministère de la Santé. Merci à vous. Bonsoir. Ensuite, à ma gauche encore, il y a le docteur Kombila Ulrich David, qui est pneumologue. Merci beaucoup. Vous interviendrez donc dans la première partie pour nous dire de quoi on parle, ce Covid-19, qu'est-ce que c'est. Et puis, à droite, dernier invité, il s'agit du docteur Mintsa Armel. Voilà pour le décor. Patricia. Alors, Laetitia, nous poursuivons cette émission. Merci encore, messieurs, d'avoir répondu à cette invitation. Alors, aujourd'hui, l'état des lieux au niveau du Gabon et le cas qui a été détecté, comme on l'a dit tout à l'heure, le coronavirus continue de se propager dans le monde. Professeur, aujourd'hui, quel est l'état des lieux, le lieu réel? Je vais passer la parole pour donc introduire ce plateau. Je voulais tout d'abord dire à l'ensemble des téléspectateurs qu'effectivement l'épidémie de coronavirus qui sévit dans le monde entier n'a pas encore atteint au niveau de notre pays une situation dramatique. Donc déjà d'entrée de jeu, je tiens à rassurer l'ensemble des populations que toutes les mesures qui ont été mises en place donc, permettent à cet effet de freiner, ralentir effectivement la propagation donc, du virus dans notre pays. Alors, en ce qui concerne donc l'état des lieux, s'il faut faire un état des lieux à ce stade, je peux dire que nous avons enregistré le premier cas de Covid-19 au Gabon depuis hier. Et donc aujourd'hui, toutes les équipes sont à pied d'œuvre hein, pour pouvoir effectivement identifier les différents contacts et voir quelle est la situation réelle à partir de ce cas dans notre territoire. Alors, quelle est la situation réelle? Peut-être me tourner du côté du docteur Mintsa, le docteur Kombila. Aujourd'hui, on revient un peu sur les symptômes, sinon les causes de cette maladie. Qu'est-ce que le Covid-19? D'entrée de jeu, les causes, les symptômes, comment on attrape cette maladie qui fait tant parler d'elle? Et merci, effectivement, le Covid, comme on dit, Covid-19, qui est une maladie virale, donc qui est liée à un virus qu'on appelle le coronavirus. Donc en termes de mode de transmission, il faut déjà dire que le Covid-19 se transmet par la salive, donc les gouttelettes de salive, et comme le poumon,
c'est le seul organe de l'organisme qui a la plus grande surface en contact avec l'environnement. D'accord. Donc tout ce qui va être environnemental, tout ce qui va être inhalé par les poumons, donc vont directement au niveau des poumons. Donc ce virus qui est contenu dans des gouttelettes de salive, n'est-ce pas, qui est émise par la personne malade, va être inhalé par un contaminant. Alors en termes de manifestation, comment les choses vont se manifester? On va avoir de la fièvre, donc c'est des gens qui vont se plaindre de fièvre, donc d'une augmentation de la température, mais également qui vont se plaindre des douleurs articulaires, des douleurs musculaires et une fatigue que nous on appelle asthénie, c'est une D'accord. fatigue qui est physique. Mmh. Donc, ils n'arrivent plus à faire leur activité quotidienne, donc ils vont être fatigués. Combien de temps ? Bon, ça va dépendre, parce que vous savez qu'en termes de contamination, il y a ce qu'on appelle la période d'incubation. De 14 jours. Voilà, qui est de 14 jours. Voilà, donc on D'accord, est contaminé. Mais au-delà de cette période, moi je veux bien qu'on revienne sur le corona de façon simple. Pour cette personne qui est à Mulengi Binza ou encore à l'EPACA, aujourd'hui le Covid-19, les symptômes du Covid-19 s'apparentent à ceux de la fièvre, de la grippe saisonnière. Aujourd'hui, est-ce que quand on a une grippe saisonnière, on peut tout de suite aller voir un médecin? Qu'est-ce qu'on doit faire concrètement? Je vous pose la question à vous, monsieur ou docteur Armel Minsa. Dites-nous, est-ce que dès qu'on se sent mal, on a une grippe, on a des poussées de fièvre, on doit tout de suite consulter? Merci. Donc, lorsqu'on a des symptômes, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre de la surveillance épidémiologique, il y a ce qu'on appelle le lien épidémiologique. En d'autres termes? En d'autres termes, lorsque aujourd'hui, par exemple, nous avons certains pays dans le monde qui sont définis comme pays à haut risque. Alors, lorsque vous avez ces symptômes-là, ça peut être une affection bénigne de grippe, mais ça peut aussi être effectivement le Covid-19. Si vous avez des facteurs qui font en sorte que vous ayez été au contact soit de quelqu'un qui a voyagé dans un pays à risque, soit que vous-même vous avez voyagé, donc c'est un peu à partir de ce moment-là. L'élément déclencheur, quel est-il ? L'élément déclencheur qui me montre qu'au-delà de la simple grippe que j'ai déjà contractée une ou deux fois ou de la fièvre, il s'agit du Covid-19. Quel est cet élément ? Alors, l'élément qui va être déclencheur, ça va être lorsque vous êtes suffisamment sensibilisé que vous avez des signes, D'accord. vous avez un numéro vert et il y a une équipe qui va investiguer pour voir si réellement vous êtes un cas à risque ou pas. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on doit avoir réellement peur de cette pandémie? Mais tout à qui fait, est aujourd'hui déclarée déjà par l'OMS. Et tout à fait, il faut toujours avoir peur, c'est une pandémie, il y a des cas de décès. Le coronavirus fait partie d'une famille des virus qui normalement vont causer des infections à la fois respiratoire et digestive chez les mammifères, dont l'homme. D'accord. Alors, donc, du coup, on pense pour cette épidémie qu'il serait passé par un autre intermédiaire. Mmh. Pour le moment, il a été montré que le virus qu'on retrouve chez le pangolin serait similaire à celui qui circule aujourd'hui chez l'homme. Ça fait combien d'années? Vous êtes au Gabon, les gens, tout le monde mange du pangolin, donc on n'a jamais eu ce problème de Covid-19, il arrive par hasard de Chine, on nous parle d'un virus qui... partout dans le monde, on parle de 138 pays et territoires aujourd'hui. Monsieur le secrétaire général, j'ai envie de vous, pas de vous titiller, mais de vous poser cette question qui taraude tous les Gabonais. Selon le communiqué lu par le porte-parole du gouvernement de la République, monsieur Anicien Bumbou-Miyaku, il ressort qu'un compatriote arrivé le 8 mars, je prends les dates parce que c'est important, a été déclaré positif le 12, soit 5 jours après son arrivée. Ce patient a donc traversé toutes les barrières de sécurité mises en place par le gouvernement. Première question, comment cela se justifie-t-il? Ok, merci de nous donner l'opportunité de effectivement apporter quelques clarifications sur cette question. Il faut dire que dans le cadre de la préparation à la riposte nationale contre l'épidémie de coronavirus, il y a un dispositif sanitaire qui a été mis en place. Dispositif sanitaire au niveau des frontières aériennes, portuaires et terrestres. Au niveau des frontières aériennes, il s'agissait surtout de thermoflasher tous les passagers en provenance des vols étrangers. C'est ce qui a été fait. Donc ce passager qui est rentré de son séjour en France, à Bordeaux, le 8 mars, effectivement, ne présentait pas de fièvre. D'accord. Or, le thermoflash permet tout simplement de détecter la fièvre. Ce n'est pas un examen diagnostique du Covid-19. D'accord. Il faudrait bien qu'on puisse le préciser. Donc, ensuite, c'est ce qui a été fait. Ce patient est rentré, il est allé chez lui à domicile, il a rencontré sa famille, il s'est installé, et puis le lendemain, il est allé à son lieu de travail.
dans l'après-midi, en début de soirée, il a présenté quelques symptômes, notamment douleur à la gorge, toux et la fatigue, comme le disait le pneumologue. Et c'est au décours de ces symptômes que sa famille et lui ont appelé le 1410, et le 1410 a interpellé les services de santé militaire, et tout de suite, aussitôt, il a été interné à l'hôpital des instructions d'armée Omar Bongo. Donc, vous dites lendemain, c'est le 9. Oui, c'est le 9. Donc, il a été interné le 9. Il a été interné le 9. Pourquoi est-ce que son état, je veux dire, entre le 9 et hier, il s'est bien passé des jours. Qu'est-ce qui s'est passé entre le 9, le jour de son admission à l'hôpital, et le 12 pour qu'officiellement les autorités déclarent? Parce que c'est là toute la question, le thermoflash ne sert pratiquement à rien, sinon détecter la fièvre. Non, quels sont les différents mécanismes mis en place au niveau des aéroports, des ports, pour identifier un cas de Covid-19? Je pense qu'il ne faut pas s'emballer dans toutes les communications qui sont faites. Il ne faut pas céder à la panique. D'accord. Il faut faire preuve de vigilance. Oui. Le dispositif qu'on a mis au Gabon, c'est le dispositif qu'on retrouve dans tous les pays du monde en matière de surveillance sur le Covid-19. C'est d'accord. Le thermoflashage des patients, parce que la fièvre est le premier symptôme qui apparaît lorsqu'on est infecté par, on est contaminé par cette maladie. Mm-hmm. Donc le dispositif, c'est un dispositif sérieux, c'est un dispositif qui aujourd'hui... Qui a quand même laissé passer un cas. C'est pas bien grave. Je vous l'ai dit tout à l'heure que le thermoflash ne permet pas de faire le diagnostic du Covid-19. Docteur, vous l'avez dit tout à l'heure dans vos propos, le malade a été en contact de sa famille. Exactement. Qu'en est-il? La famille, les collègues. Ce qu'il faut peut-être dire, c'est qu'il y a toute une procédure en matière de gestion du Covid-19. Lorsque le cas est déclaré, nous procédons à l'investigation des cas contacts. Ça a été fait. Donc, dès lors que ce patient a été diagnostiqué positif au Covid-19, tout de suite, une équipe s'est mis en route pour l'investigation des cas contacts. Parce d'accord. que ce malade nous a dit avec qui il était en contact, d'accord. avec qui il a rencontré dans sa famille, qui il a rencontré à son lieu de travail, qui il a rencontré dans le restaurant. Donc nous sommes en train